Sony qui se connectera avec du retard. Ok, merci. Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place, nous allons débuter cette séance. Bien, pour cette séance, la liste des excusés avec délégation de vote. Monsieur Brousse a donné pouvoir à Monsieur Émile Roger Lomberti. Monsieur Jérémy Eldid a donné pouvoir à Monsieur Thierry Miguel. Et Madame Sherazade Zaiter a donné pouvoir à moi-même. Monsieur Laurent Lafaille arrivera en retard et donne pouvoir à Monsieur Chassin. Et Monsieur Léoni va se connecter en visio très prochainement. Je suis là, Président. Vous êtes là ? Très bien. Merci. Je suis là, Président. Merci, Vincent. Proposer le secrétariat de séance à Claude Compin, s'il l'accepte. Tu en es d'accord ? Ok. Bien, un petit mot introductif rapide qui est très formel, qui n'a rien à voir avec le fond. J'aimerais vous soumettre une proposition dans l'organisation du fonctionnement de cette collectivité. Vous l'avez vu, on a deux organes délibérants, le bureau et le conseil. Un certain nombre de délibérations dites de base passent au bureau. Alors, c'est toutes les délibérations où les engagements financiers sont inférieurs à tel montant, etc., etc. Enfin, bref, c'est tout ce qui gère la vie du quotidien de l'Interco, mais sur des sommes relativement modérées. Le reste des gros dossiers passant systématiquement en conseil, comme aujourd'hui en plénière. L'idée qui m'a été proposée par les services, c'est de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres intercos de cette strate et de faire en sorte que, pour le coup, le bureau devienne un organe de débat complet pour essayer d'évoquer des sujets ou sensibles ou lourds dans le fonctionnement de la collectivité, et faire en sorte de grouper les délibérations du bureau par chapitre, ce qui n'empêchera pas un dégroupement le jour du vote, hein, exactement comme ça se passe au département ou à la région, c'est-à-dire vous prenez un bloc, je sais pas, sur les grands équipements, vous avez trois délibes, vous passez le chapitre complet. Si l'un ou l'une d'entre vous a une question ou une observation à formuler sur un des sous-chapitres du chapitre, demande le dégroupement, demande la parole, et on en débat tout à fait exactement de la même façon que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Mais l'idée permettrait d'avoir un seul organe délibérant, que serait le Conseil, et d'avoir un bureau où, pour le coup, on prendrait à chaque fois trois, quatre gros sujets qui donnerait lieu pendant une heure et demie, deux heures, trois heures, à débat, et qu'il n'y ait pas un double système de vote qui est parfois assez illisible pour nos propres élus, puisqu'il y a des délibérations qui passent en bureau qui ne sont pas vues par les conseillers communautaires, par principe, puisqu'elles sont votées uniquement par le bureau. Or là, tout le monde aurait le même degré d'information, et tous les conseillers communautaires auraient un accès à l'ensemble des délibes. Ça me paraît être un peu plus démocratique, un peu plus clair dans le fonctionnement, et le bureau permettrait justement d'avoir des discussions, comme on a eu l'autre jour avec Fabien, sur les indemnisations de l'Aquapolis, du Zénith et le sujet autour du Vélodrome. Est-ce que certains d'entre vous s'opposent à cette idée-là ? Ben écoutez, pour ça, ça nécessite qu'on modifie, pour le coup, légèrement le règlement intérieur du Conseil, puisqu'il y avait eu une délibération au mois de juillet 2020 qui portait délégation des compétences du Conseil au bureau communautaire. Bon, ça, il faut qu'on le modifie pour que le Conseil devienne le seul organe délibérant, ce qui permettra d'avoir la même information pour tout le monde. Est-ce que ça vous va ? Pas d'observation ? Oui, Joël ? Jean-Yves, pardon. J'avais juste une question. Comment on juge de la pertinence des gros dossiers qui seraient abordés en bureau et de ceux qui ne le sont pas, du coup ? En gros, je vais te la faire très court. Tous les dossiers qui ne passent pas à l'unanimité sont des dossiers qui peuvent être potentiellement sensibles. D'accord. Voilà. Ou tous les sujets structurants du territoire. Typiquement, quand on va parler
de transport en commun, quand on va parler de BHNS, quand on va parler d'indemnisation de verre marine à terme ou d'espace pour le Zénith, tout ça, c'est des sujets qui, à mon sens, vont amener à discussion. Et en tout cas, à des degrés d'information un peu plus poussés que de savoir si on renouvelle ou pas la convention avec Noalis, qui passe systématiquement à l'unanimité. Voilà. OK. Oui, Jacques. Ouais, juste une précision par rapport à une délibération qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, donc, dont on a débattu en bureau la semaine dernière sur les indemnisations, sur le vélodrome. Moi, mon interrogation par rapport à cette formule, c'est le délai qui est entre les deux. C'est-à-dire que c'est intéressant qu'il y ait une discussion en bureau, qu'on puisse en débattre, mais si c'est pour voter dès la semaine suivante, sur le même sujet, ça me paraît assez court. En tout cas, moi, j'ai besoin d'un temps de réflexion qui soit un petit peu plus long. C'est une remarque par rapport à ça. Sinon, moi, je ne suis pas opposé dans le principe à ce mode de fonctionnement, mais je pense qu'il faut se donner aussi, si c'est des sujets importants, un petit peu de temps et de délai pour pouvoir en débattre correctement. Fabien ? Les ordres du jour des bureaux des conseils communautaires sont donnés en amont et rien ne nous interdit, en fonction des délégations de chacun, et moi je le fais avec certains d'entre nous, de prendre contact directement avec le VP ou le secrétaire en charge du dossier et d'en parler en amont pour aborder les décisions. Et après, de la même façon, du bureau après le bureau, si le lendemain ou sur le lendemain il y a des interrogations, on n'est quand même pas obligé d'attendre d'être tous ensemble pour en discuter. Et je fais un parallèle par rapport à ça. Il y a eu des échanges de mails, de nombreux échanges de mails, notamment par rapport au rythme scolaire, où tout le monde a répondu de la même façon. Enfin, on est capable de se parler tous ensemble. Donc, je ne vois pas d'obstacle au fait qu'on vote la semaine d'après par rapport à un bureau la semaine d'avant. Il nous reste 7 jours pour pouvoir discuter. On peut discuter par mail, on peut se revoir, on peut se parler au téléphone. Ça ne me paraît pas... Sauf sujet très, très sensible ou... Après, dans la mesure où ce nouveau principe soit accepté, encore une fois, je vous le dis, j'ai rien inventé, ça se fait ailleurs. On peut tout à fait, puisqu'on est moins contenu et moins tenu par les délais, de décaler un peu le bureau par rapport au conseil. Ça, c'est tout à fait, lorsqu'il y aura un sujet un peu sensible, c'est tout à fait possible et faisable. OK, bien, bah écoutez, je vous propose qu'on... Oui, Ludovic. En faisant cette proposition, Président, vous répondez un peu à la question que j'avais posée lors du dernier Conseil communautaire où, effectivement, sur la question de l'organisation et du fonctionnement de ce bureau, moi, je regrette le fonctionnement actuel où, finalement, c'est une espèce de commission permanente, mais ce n'est pas un lieu de débat et d'échange. Donc, c'est une... évolution que je note avec satisfaction. Sur les grands sujets, n'oubliez pas, Président, et à l'ensemble de mes collègues qui sont vice-présidents, qu'il y a aussi des organes que nous avons désignés en conseil communautaire qui s'appellent des comités de pilotage sur un certain nombre de grands sujets. Et il ne faut pas oublier de les réunir pour préparer ces grands dossiers en amont des bureaux. Merci. Écoutez, je suis ravi que vous accueilliez ma proposition avec intérêt. C'est en partie sur la base des préconisations que vous avez formulées qu'on a souhaité faire évoluer tout ça. Après, sur les comités de pilotage, je vais vous dire un truc très clair. Vu le taux d'absentéisme dans les commissions, pour une écrasante majorité de conseillers communautaires, rajouter des réunions aux réunions, moi je veux bien, mais il faut que les gens viennent siéger en commission. Il y a certains conseillers communautaires qui ont des taux de présence à l'heure qu'il est de 15% depuis le début du mandat. C'est très faible. Et donc, moi, je veux bien rajouter des réunions à la réunion pour la forme. Encore faut-il venir à celles qui existent, mais ce n'est pas vous que je vise, puisque vous êtes plutôt assidus en commission. Voilà. Mais attention à ne pas créer trop de réunions, parce que trop de réunions tuent la réunion. Bien. Bah, écoutez, si vous êtes d'accord avec ce principe, je vous propose qu'on le mette à l'ordre du jour de nos prochains travaux. Il s'agit maintenant d'approuver le procès-verbal de la séance du 4 mars dernier. Vous avez reçu le procès-verbal avec les convocations. Est-ce que vous avez des observations à formuler à ce sujet ? Pas d'observations. Ben écoutez, je vous propose que l'on passe d'ores et déjà, dès à présent, à
l'ordre du jour. Donc, il y a une délibération 1.1 sur la tenue du Conseil communautaire en visioconférence dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. C'est toujours la même. Hein. La loi du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire prévoit la possibilité d'organiser les conseils communautaires en visioconférence conformément aux dispositions de l'ordonnance 2020-391 du 1er avril de la même année. Dans ce cadre, il convient d'adopter une délibération en début de séance. Je vous rappelle que cette séance est retransmise en direct sur YouTube et sur Facebook Live de Limoges Métropole. Les élus présents en visioconférence seront filmés et je les remercie de bien garder leur caméra activée pendant toute la durée du Conseil, car les votes auront lieu à main levée. Je vous rappelle enfin que vous pouvez demander à intervenir en utilisant la fonctionnalité « Lever la main » de l'application Teams. Il convient à présent que je procède à l'appel nominal des conseillers participants à cette séance en visio. Donc, est-ce que Madame Patricia Villar est là ? Oui, présente. Monsieur Fatimi ? Monsieur Fatimi n'est pas arrivé. Madame Julien ? Présente. Madame Maury ? Isabelle ? Monsieur Serge Roux. Oui, je suis là. Madame Rivet. Présent. Monsieur Ray. Oui, présent. Madame Mézy. Excuse-moi, Guillaume, je suis présente. Isabelle. Ok, Madame Mézy. Je n'avais pas mon micro à lui. Présente, Président. Madame Zianibé. Présente. Monsieur Bourion. Présent. Madame Laverdure de Loume. Présente. Madame Debourg. Présent. Monsieur présent, pardon. Monsieur Ducourtieux. Présent. Monsieur Garestier. Présent. Madame Riffaut. Présente. Madame Taillot. Présente. Madame L'Enfant. Présente. Madame Tabouret. Présent. Madame Burgot. Présent. Monsieur Gilbert. Bernard, pardon. Bernard, présent. Présent. Monsieur Damé. Présent. Monsieur Léonie, je vous ai vu. Madame Mauguin-Sicard. Présente. Monsieur Jalbi. Présent. Monsieur Bruno. Présent. Monsieur Limousin. Présent. Monsieur Lafaye, vous êtes arrivé ? Pas encore. Monsieur Larcher. Présent. Et Madame Delpy. Présent. Bien, merci. Donc, il vous est demandé d'approuver les modalités de la visioconférence pour la présente séance du Conseil communautaire, telle que précisée dans le document qui vous a été remis. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté, je vous remercie. Et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec le budget. Pascal, tu as la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, je sens que vous avez regardé l'ordre du jour et que vous dites, avec le nombre de délibérations qui m'est désigné, il va nous plomber la soirée. Mais rassurez-vous, j'ai pris les devants de cette inquiétude. Donc pour plus de fluidité et moins de redondance, si vous en êtes d'accord, en une seule délibération ou une présentation globale, parce que nous voterons les délibérations, je vais vous présenter ce que je crois est important de retenir sur le budget principal et 7 budgets annexes que sont le transport, l'eau, l'assainissement, le centre de recyclage et 3 budgets des zones d'activité économique. Évidemment, nous votons ces budgets séparément parce que c'est la loi qui nous l'impose. Évidemment, vous savez, je l'avais déjà dit devant vous, nous votons ce budget dans des conditions qui n'ont jamais existé depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'un point de vue, la crise que nous vivons est exceptionnelle, heureusement d'ailleurs. De plus, nous sommes juste avant un gros travail collectif sur la mise en place d'un projet, pour notre métropole. Néanmoins, ce budget est un budget pas d'attente, parce que notre territoire a besoin de nous. Et c'est bien en tout, en dépenses, 307 millions qui seront injectés dans notre économie. On voit à quel point notre métropole est un acteur économique important. Les idées fondamentales qui président à ce budget tiennent en 3 points. D'abord, c'est un budget marqué par la crise, et la crise va peser sur les équilibres de la collectivité, bien entendu, vous vous en doutez. Ensuite, Limoges Métropole bénéficie d'une situation financière assez solide pour absorber le choc sans hausse de fiscalité. Ce n'est pas le cas partout. Enfin, et c'est peut-être le plus important, le budget portera des projets structurants et prometteurs.
Alors je vous disais un budget marqué par la crise, évidemment, je m'en étais ouvert aussi devant vous lors du DOB. Le budget principal subit une baisse de 3 millions environ au budget principal et presque autant, 2,8 millions pour le budget des transports. On voit que ce ne sont pas des minces sommes. Malgré ça, pour 2021, la capacité d'autofinancement prévisionnel portera également le poids de la crise. Elle est en baisse de 9 points, soit 1,8 million pour le budget principal. Si on se compare aux autres, on résiste plutôt mieux sur ce point-là aussi. Le budget annexe des transports devrait être moins pénalisé qu'en 2020, mais les restrictions pèsent toujours sur les recettes commerciales et le versement mobilité ne devrait pas rejoindre la tendance d'avant-crise avant plusieurs années. Ce budget devra, par ailleurs, supporter en pleine année le coût de la première phase de réorganisation du réseau intervenu en novembre 2020. J'avais attiré votre attention déjà lors du DOB sur ce budget qui, évidemment, je le rappelle, est à 1,38 pour nous, à 1,80 dans toutes les agglomérations de notre strate. Ça dit bien qu'à un moment donné, on ne pourra pas faire aussi bien. On ne pourra d'ailleurs même pas faire du tout si on ne réfléchit pas sur ce sujet-là. Je vous disais une situation financière assez solide pour ne pas augmenter la fiscalité. En effet, en ces temps de crise, ce qui était déjà fragile meurt, si je peux me permettre d'expression. Heureusement pour nous, la situation de notre métropole était relativement satisfaisante, stable, pour nous permettre d'avaler cette crise. Les contribuables de Limoges Métropole bénéficient de taux de fiscalité nettement inférieurs à la moyenne des collectivités comparables. Le rapport Klopfer l'a établi et l'enquête annuelle du cabinet FSL le confirme. La CFE s'élève à 26,4 contre 29,75 en moyenne dans les EPCI comparables. Le foncier bâti est à 1 point quand il est en moyenne à 4,39 chez ceux qu'on peut comparer à notre, c'est ceux de la strate. Le foncier non bâti s'élève à 3,46 alors que la moyenne se situe à 6,40. Le même constat vaut pour le versement mobilité, j'en ai parlé, je n'y reviens pas. Une taxe, et je l'avais également annoncé, fait cependant exception, c'est la TOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Je vous avais annoncé que ce secteur ayant, devant s'équilibrer entre les recettes et les dépenses, ayant subi une forte érosion sur ce secteur de notre activité, nous serons obligés d'augmenter de 0,7 points, ce qui nous, je vous rassure, nous laisse bien en deçà, là aussi, de ce qui est perçu dans les autres collectivités de notre strate. Un point important, j'ai parlé des 307 millions qui étaient injectés dans notre économie. Et nous pouvons être fiers, je crois aussi, d'investir pour 97 millions. Évidemment, nous faisons beaucoup de choses. Là aussi, on ne peut pas tout retenir. J'ai souhaité, pour aller vite et pour que ça marque vos esprits, parce que je crois qu'on ne retient que quelques idées de tout ce qui va se dire ce soir, insister sur quatre points assez importants. La modernisation de la station d'épuration, déjà évoqué, qui engage 25 millions d'ici 2023. Ce chantier est représentatif de l'importance accordée à la qualité de l'environnement sur ce territoire, la qualité des eaux, mais aussi la sobriété énergétique, puisqu'il s'agit à la fois d'améliorer les performances de l'équipement et de réduire la consommation d'énergie. Un projet que j'ai découvert, je dois bien l'avouer, il y a peu de temps. L'interconnexion des réseaux de chaleur ajoutera, elle aussi, des avantages économiques en vertu écologique, en valorisant davantage la chaleur produite par la centrale d'incinération. Elle permettra de réduire le taux de TGAP, c'est la taxe sur les activités polluantes, payée par Limoges Métropole. Ou plus exactement, de limiter la hausse des taux programmés sur les prochaines années. C'est là aussi un remarquable projet. La construction d'une passerelle sur l'A20, dont on a déjà parlé, pour 8,7 millions, offre des perspectives d'aménagement urbain, de communication entre les quartiers séparés par l'autoroute et le développement des transports en commun. Enfin, la construction du centre de traitement de surface représente un investissement de 4,5 millions, très beau projet, là aussi, qui va permettre de développer à Limoges des technologies de pointe. La dette de la communauté urbaine est à un niveau soutenable. La capacité de désendettement du budget principal se situant à 6 ans, soit la moitié du seuil de vigilance fixé à 12 ans par la loi. Dans le contexte de très grande incertitude que nous traversons, toute notre vigilance sera nécessaire pour préserver la capacité de Limoges Métropole à porter un projet de territoire ambitieux. Voilà ce que je crois. Je reste évidemment à votre disposition. Nous avons pensé, je remercie le service d'ailleurs qui m'a aidé en ce sens, que c'était plus agréable pour vous d'avoir ce balayage, si je peux me permettre aussi cette expression, plutôt que de vous asséner des chiffres dont finalement on ne retient pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des sujets qui soulèvent question ?
conséquent, Guillaume, on met aux voix c'est une délibération pour ces 8 délibérations, cette présentation-là, oui. Puisque ça vaut pour le budget principal et les budgets annexes. Tout à fait. S'il n'y a pas de questions. C'est quoi ? Bon, il n'y a pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Adopté, merci. Tu poursuis, Pascal ? La fixation des taux d'imposition, sans surprise, avec ce que je viens de vous dire, la taxe d'habitation, le foncier bâti et le non bâti sont les taxes à étudier tout de suite, mais entre 2018 et 2020, la suppression de la TH sur les résidences principales s'est effectuée par voie de dégrèvement n'impliquant aucune perte financière pour les collectivités. À compter de 2021, comme vous le savez, le reliquat de TH pour les 20% des résidences principales restantes sera directement perçu par l'État. La collectivité ne bénéficiera plus que des recettes de la TH sur les résidences secondaires. La perte du produit des résidences principales et des allocations compensatrices associées sera compensée par un reversement d'une fraction de la TVA. J'espère que, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais expliqué tout ça lors du DOB. Donc, conformation à ce DOB, d'ailleurs, et lors du précédent Conseil communautaire, il vous est proposé de maintenir la taxe foncier bâti à 1 point, la taxe foncier non bâti à 3,46. La collectivité n'a actuellement pas de pouvoir de taux sur la taxe d'habitation. Le taux de 2019 sera appliqué sur les résidences secondaires et le reliquat des résidences principales en 2021 et 2022, soit 8,84. Je poursuis avec la CFE, cotisation foncière des entreprises. Conformément aux orientations budgétaires, il est proposé de reconduire le taux de CFE en vigueur depuis 2010, soit 26,4 points. En 2021, la réforme sur l'évaluation des bases des établissements industriels engendre une baisse significative des bases imposées par rapport à 2020. Les pertes de recettes fiscales liées à cette mesure font l'objet d'allocations compensatrices. J'avais insisté lors du DOB sur le fait, chers amis, que nous perdons petit à petit tous les pouvoirs de taux. Et ça, ça pose un vrai problème, d'après moi, sur la liberté d'agir des collectivités territoriales. Voilà. Mais ce n'est pas ce que nous avons à voter ce soir. Ce que je vous propose de voter ce soir, c'est le maintien de la CFE. Y a-t-il des questions là-dessus ? Enfin, la TOM, dont j'ai déjà parlé, évidemment. Au regard des prévisions budgétaires pour 2021, il est proposé une augmentation de 0,7 des taux de TOM afin de conserver l'équilibre du budget propreté. Les taux de TOM seraient alors les suivants. Sur la zone Limoges, 6,12. Sur les autres communes, 8,58. Bien, pas d'observation ? Oui, monsieur le maire. Non, pas pour m'élever ou créer la zizanie, simplement. Nous avons parlé tous ensemble de la nécessité d'avoir une vision commune sur le plan financier. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans la mandature précédente à avoir plus de prélèvements pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'il n'y avait de dépenses effectives, et nous n'avions pas changé le matériel que nous aurions pu ou dû changer, et nous n'avions pas commencé à travailler de manière suffisante, la rénovation de la centrale pour brûler nos déchets et qu'il va nous falloir revoir complètement avec les difficultés que l'on sait. On a basculé un point de taxe d'enlèvement des ordures ménagères vers un point de taxe foncière. On l'a voté, on l'a accepté. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que l'on soit attentif parce que quelque part, nous avons besoin d'avoir une amélioration du service poubelle, et c'est général, pas que dans notre collectivité, hein, c'est général sur tout le département et dans beaucoup d'endroits, une efficacité augmentée, une diminution, et ça c'était une politique qui était affichée et où il faut qu'elle soit réellement productive, de diminution des ordures ménagères. Et la troisième chose, c'est que le fait de brûler les ordures ménagères, le fait de les enlever, le fait du tri, nous amène aujourd'hui avec des coûts de fonctionnement qui sont bien supérieurs. Et si on ne veut pas que le service se dégrade, nous serons amenés à augmenter. D'où l'intérêt, là encore, d'avoir une vision prospective et une vision globale sur ce que nous devrons faire au cours du mandat. Et je rappelle à tout le monde qu'il faudra que nous changions la centrale au cours du mandat. Donc, voilà. Je tenais à le rappeler. Ce n'est pas si simple que ça de manipuler le budget, de le faire. Et c'est extrêmement important de le faire avec une prospective
qui soit bien affiché en fonction des besoins des collectivités et de l'endroit où on veut aller. Voilà. Merci. Excusez-moi, monsieur. Je crois que ces réflexions-là, nous aurons à les mener dans le cadre du pacte fiscal et financier que la loi nous demande de mettre en place cette année. Mais c'est très intéressant. J'ai oublié de dire quelque chose dans la présentation de nos budgets tout à l'heure. Quelque chose qui est très important qu'il faut que nous ayons en tête, c'est qu'aujourd'hui, notre PCI investit plus que les autres de notre strate, si on regarde les budgets, hein, investit plus que les autres de notre strate, avec des charges de fonctionnement qui sont inférieures à celles de notre strate. C'est important. Et avec des impositions, je viens de les rappeler, qui étaient aussi inférieures à celles de notre strate. Alors, ce que dit le maire de Limoges, Émile Roger Lamberti, en effet, c'est un vrai sujet. C'est un sujet que nous aborderons lors de la création de ce pacte fiscal et financier. Ce que tu dis, Émile, en effet, c'est qu'on aura besoin, mais c'est un corollaire du projet que nous allons monter. Une fois que nous aurons défini ce que nous voulons faire, tout en tenant compte un peu en amont, il faudra fixer ce que sera notre charge financière. Je parlais tout à l'heure des transports. Je rappelle que le budget des transports, là, au moment où je vous parle, sans le retour de notre délégataire d'environ 1 million, 987 000 euros de mémoire, on avait une épargne brute négative dans le budget des transports. C'est-à-dire que cette année, on ne pouvait pas équilibrer le budget des transports, je ne sais pas si je suis très clair, sans le retour de la STCLM, des économies qui avaient été faites en 2020 et qui ne sont pas rentrées sur le budget, sur le compte administratif. Je suis clair ou pas? Donc, en effet, on aura, pour les transports, j'ai annoncé, hein, on est à 1,38 quand les autres sont à 1,80, je viens d'annoncer l'écart sur tous les taux. À un moment donné, on aura cette réflexion à mener. Je n'ai évidemment pas la solution à ces réflexions, parce que sinon, ça ne servirait à rien qu'on soit tous ensemble, mais c'est un vrai sujet, je le pense. Voilà. Merci, Pascal. D'autres remarques? Pas d'autres remarques. Je passe aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Je vous remercie. La prochaine délibération concerne la création de deux APCP, autorisation de programme, crédit de paiement. Le projet du bus à haut niveau de service, BHNS. Le montant total de l'autorisation de programme serait de 80 118 000 euros hors taxe sur 7 ans, avec une inscription sur le crédit de paiement 2021 de 762 000 euros hors taxe. Le projet de création d'une voie urbaine reliant les quartiers de la Batide et du Puy-Ponché par le franchissement de l'Avin. Le montant total de l'AP serait de 8 755 000 euros hors taxe sur 3 ans, avec un crédit de paiement de 2 250 000 euros hors taxe. Il vous est également proposé, dans l'attente de la mise en œuvre du projet de territoire, et afin d'assurer la continuité des actions d'investissement, que les APCP existantes soient reconduites sur 2001 et ajustées si nécessaire. Les crédits de paiement des années suivantes seront déterminés par le projet de territoire, évidemment. C'est un peu le même fonctionnement que ce que je décrivais précédemment. Les ajustements concernent l'échangeur 36 voie liaison sud, pour une modification d'échéancier, le contrat territorial milieu aquatique STMA de la Valouane, pour une modification d'échéancier, l'enveloppe de voirie pour la reprise d'une partie du reste à financier de l'exercice précédent. J'en profite pour vous dire, je ne l'ai pas dit non plus lors de la présentation des budgets, que nous faisons un effort, à mon sens, exceptionnel sur la voirie cette année, que le président a validé. Là aussi, nous aurons des interrogations à faire, parce que quand on regarde les ressources de notre collectivité, nous verrons que l'effort sur la voirie est exceptionnel. Je crois que le mot n'est pas trop fort, et je ne suis pas certain, parce que j'entends des fois mes collègues parler, que nous pourrons aller encore plus loin. Ça, c'est une interrogation personnelle. Concerne aussi les eaux pluviales pour la reprise d'une partie du reste à financer de l'exercice précédent. L'aide à la production des logements sociaux pour la reprise d'une partie du reste à financer de l'exercice précédent. La PCP assainissement est modifiée pour prendre en compte l'opération de modernisation de la station d'épuration principale estimée à 25 millions, dont 8 millions sur 2021, effort important, hein. L'agrandissement et la modernisation du centre de recyclage pour la reprise d'une partie du reste à financer de l'exercice précédent. Merci Pascal. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Toujours toi, Pascal. Petite délibération pour un gros travail mené par nos services, un énorme travail. La mise à jour des durées d'amortissement des biens. La mise à jour et la gestion de l'inventaire patrimonial des biens transférés par les communes membres et des biens acquis en direct par Limoges Métropole constitue depuis plusieurs années un enjeu important pour la collectivité. Dans un souci d'amélioration du suivi, il s'avère nécessaire d'adapter la délibération fixant les durées d'amortissement de chaque catégorie de biens pour répondre aux évolutions des compétences et des projets de Limoges Métropole. Des nouvelles catégories avec des durées adaptées ont été créées sur le budget principal pour les réseaux de chaleur, les concessions gaz et électricité, les infrastructures de recharge de véhicules électriques, les parcs en ouvrage, les cimetières. Sur le budget annexe transport pour le Vélim et le projet BHNS. Sur le budget annexe de l'eau pour une harmonisation avec le budget assainissement. Sur le budget annexe du centre de recyclage pour l'opération de modernisation.
En effet, ce gros travail qui permet des choses qui sont... C'est les durées d'amortissement, c'est un détail pour vous, comme disait le chanteur, mais c'est un énorme travail et c'est indispensable pour pouvoir continuer à travailler. Donc, félicitations encore au service. Merci Pascal. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Pascal, toujours. Enfin, nous rappelions tout à l'heure, le président l'a fait fortement, la priorité économique que nous entendons mettre sur notre projet. Et cette délibération s'inscrit dans cette volonté de développer l'économie sur notre territoire par la création d'un budget annexe zone d'activité de Verneuil-sur-Vienne, qui est une belle commune viticole, comme chacun le sait ici. Les opérations d'aménagement de lotissement d'activité économique devant être obligatoirement décrites dans une comptabilité de stock spécifique, il est nécessaire de créer un budget annexe permettant d'individualiser les opérations de dépenses et de recettes. Ce budget intitulé « Zone d'activité de Verneuil-sur-Vienne », quelle originalité, sera géré selon la nomenclature M14 et assujetti à la TVA. Merci. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Merci beaucoup, Pascal. TEB, Jean-Luc. Oui, Monsieur le Président. Donc, plusieurs sujets concernant les ressources humaines. D'abord, donc, le tableau des emplois budgétaires. Donc, afin de procéder à des ajustements au tableau des emplois budgétaires de Limoges Métropole, approuvé par délibération en date du 18 décembre 2020 par le Conseil communautaire, il est proposé la création de 11 postes, dont la transformation de 2 postes et le recrutement de 2 agents contractuels. Il vous est demandé de donner votre accord à ces propositions et d'adopter le tableau des emplois budgétaires correspondant, porté à 811 postes figurant dans le dossier qui vous a été transmis ou remis, les deux. Merci Jean-Luc. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Une question. Pardon. Oui, madame, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Oui, si vous permettez, je permets une remarque qui n'est que indirectement liée au sujet. Nous avons été informés de la nomination de madame Boulestin, chargée de mission, pour, je n'ai plus exactement intitulé, et je ne crois pas n'exprimer que mon sentiment en regrettant que ces missions ne soient pas confiées à des gens beaucoup plus jeunes, en particulier en cette période où les choses sont tellement difficiles pour l'accès à l'emploi des plus jeunes de nos concitoyens. Merci. Bien sûr, madame. Alors, premièrement, votre remarque est tout à fait pertinente, même si elle n'a absolument rien à voir avec la délibération. Pour répondre à cette question, madame Boulestin a été embauchée sur une mission de 6 mois dans un service bien précis que nous souhaitons densifier, qui est le service de la coopération extérieure et coopération décentralisée et des réseaux avec les autres intercos. Ça fait partie des services qui vont voir leur mission élargie, sans doute leur budget augmenté, tout comme le développement économique aujourd'hui dirigé par Daniel Lafon, qui est le parent pauvre de cet interco, tant en nombre d'agents qu'en budget alloué à proprement parler. J'entends votre remarque, encore une fois, là, je n'ai rien inventé. Dans toutes les grandes intercos, ce type de missions sont régulièrement confiées à des gens qui ont eu un passé où ils ont eu à se constituer un réseau personnel. Et je ne vais pas vous faire l'offense de vous dire que les réseaux potentiels de madame Boulestin, chère madame, sont assez éloignés des miens. D'où ce recrutement qui peut paraître être une forme de complémentarité, puisque madame Boulestin, puisque vous me posez cette question qui, encore une fois, n'a rien à voir avec l'ordre du jour, s'est constitué un réseau grâce à votre soutien, entre autres, à une certaine époque, beaucoup plus que le mien. Voilà, donc je viens chercher là une forme de complémentarité et d'addition des réseaux, puisque sur la coopération extérieure, la notion d'ambassade, de consulat sont des choses importantes. Et je crois que sur la coopération, nous avons beaucoup, beaucoup à faire. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler un sujet que monsieur le maire de Limoges connaît par cœur, que dans notre hôpital, le centre hospitalier universitaire, on a la chance d'avoir des médecins issus des territoires avec lesquels nous avons de la coopération extérieure pour nous soigner. Donc je crois beaucoup à cette thématique et je crois surtout à son développement. Voilà pourquoi madame Boulestin, sur un salaire au passage très modeste, sur une durée limitée, avec une convention d'objectifs bien précise. Voilà. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, monsieur Géraudy. Je vais revenir sur la délibération, si vous le permettez, monsieur le président, puisque dans le cadre de ce tableau d'emploi, il y a 3 postes
qui concerne une demande de la commune du Palais-sur-Vienne, puisque, vous le savez, sur les postes de voirie, les communes ont des agents qui effectuent des missions qui relèvent des missions de l'agglomération. La pyramide des âges et un certain nombre de mobilités au sein de la commune du Palais-sur-Vienne aidant, nous avons souhaité, mais ça date du mandat précédent, et nous avons relayé cette demande en ce début de mandat, nous avons souhaité que l'agglomération procède au recrutement de 3 agents pour venir muscler l'équipe de la subdivision nord dont dépend la commune du Palais avec Bonnac-la-Côte, Saint-Just-le-Martel, je crois, et Riac-Rancon. Donc l'idée, c'est de muscler l'équipe et que le service soit évidemment rendu de la même manière pour la commune du Palais qu'il l'était quand les équipes étaient au sein de la municipalité. Voilà, on essaye de jouer collectif. On donne sa pleine compétence à la communauté urbaine sur les questions de voirie, sur le fonctionnement de la voirie. Je sais que beaucoup de communes nous regardent. C'est une expérimentation intéressante. Donc j'espère qu'on pourra faire un retour d'expérience. Tout ça pour vous dire, Monsieur le Président, mais vous pouvez le constater, que tous les maires ne sont pas des maires réticents. Monsieur le maire, merci de cette intervention pour saluer le fait que nous sommes allés dans votre sens. Voilà. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adopté. Jean-Luc, toujours. Donc la mise à disposition de titres repas donc pour les agents communautaires, donc avec le lancement d'une procédure en appel d'offres ouvert, le marché actuel arrive à échéance le 11 juillet 2021. Ils vous ont donc demandé d'approuver le lancement d'une consultation relative à la mise à disposition de titres repas pour les agents communautaires sous forme d'un appel d'offres ouvert. Il serait conclu pour une période d'un an reconductible 3 fois et pour un montant de dépenses annuelles estimé à peu près à 700 000 euros net. Aujourd'hui, c'est la société Edenred, je crois, qui a ce marché-là. Donc, voilà. Merci. Des questions ? Des oppositions, des abstentions ? Adopté. Jean-Luc, toujours. Oui, autre point concernant, dernier point concernant les ressources humaines, c'est la mise en place d'un ratio pour le cadre d'emploi des attachés. Donc, je vous rappelle que c'est une obligation statutaire pour chaque grade. Pour l'attaché hors classe, cette classe, en fait, n'existait pas il y a encore quelques temps. Donc, le grade d'attaché hors classe donc, est composé de 6 échelons et d'un échelon spécial terminal. L'accès à cet échelon spécial qui revêt les caractéristiques d'un avancement de grade nécessite que l'Assemblée délibérante adopte un ratio. Merci. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Jean-Luc, toujours. Oui, on va passer sur les moyens généraux. Je vais essayer d'être beaucoup plus court que lors de la dernière commission, qui était un petit peu longue. Donc, on a essayé de rétrécir un petit peu ces débats-là. Accord 4, donc, afférent à la fourniture d'articles de plomberie et de sanitaire, en l'occurrence sur 4 lots. Donc, il vous est demandé de prendre en compte les modifications et compléments apportés à la délibération numéro 12, alinéa 1 du 13 septembre 2018, relative au lancement d'une consultation en appel d'offres ouvert pour les prestations de fourniture d'articles de plomberie et de sanitaire en 4 lots. Ainsi, chaque lot prendra la forme d'un accord cadre mono-attributaire exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande et sera conclu pour une durée d'1 an, reconductible 3 fois 1 an, sans montant minimum ni montant maximum. Les autres dispositions de la délibération numéro 12.1 du 28 septembre 2018 demeurent inchangées. Jean-Luc, des questions ? Des oppositions, des abstentions ? Adoptées. Merci. Tu poursuis. Ensuite, un autre accord cadre. Donc, afin de garantir à ces agents donc, la condition de travail et de sécurité optimale du point de vue des risques incendies, Limoges Métropole doit procéder à l'acquisition, la vérification et la maintenance des matériels de sécurité incendie des bâtiments. Dans ce cadre, il vous est donc demandé d'autoriser le lancement d'une consultation sous forme d'appel d'offres ouvert relative à l'acquisition, la vérification et la maintenance des matériels de sécurité des bâtiments de Limoges Métropole en 4 lots séparés pour les marchés d'un an reconductibles 3 fois 1 an. Merci Jean-Luc. Des questions ? Des oppositions, des abstentions ? Adopté. Tu poursuis.
Alors, idem, les marchés actuels arrivant prochainement à échéance. Je veux parler de l'accord cadre pardon, en vin lot relatif aux travaux du bâtiment dans les locaux de Limoges Métropole. Il vous est demandé d'autoriser le lancement d'une consultation sous forme d'appel d'offres ouvert relatif aux travaux des bâtiments dans les locaux de Limoges Métropole en 20 lots séparés. Le détail figure dans le dossier qui vous a été transmis. Je ne vais évidemment pas le détailler. OK. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adoptées. Cadre, donc en 12 lots relatifs à la maintenance, l'entretien, l'assistance et la réparation des installations de chauffage, ventilation et climatisation. Les marchés relatifs à ces prestations arrivent prochainement à échéance. Il vous est donc demandé d'autoriser le lancement d'une consultation sous forme d'appel d'offres ouvert en 12 lots concernant ce type de besoin. Les estimations annuelles par lot figurent dans le dossier également qui vous ont été transmis. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions adoptées, Jean-Luc toujours. Et enfin, dernier point concernant le nettoyage des sols, mobilier et sanitaire dans le patrimoine bâti de Limoges Métropole. Il convient de prendre en compte les modifications et compléments apportés à la délibération numéro 23, alinéa 3 du 26 septembre 2019, relative au lancement d'une consultation en appel d'offres ouvert pour les prestations de nettoyage classique, sol, mobilier, sanitaire. De toute partie des locaux occupés par les services de Limoges Métropole, et ce, en 5 lots. En effet, au regard de l'organisation interne du service et du caractère variable des locaux occupés, la mise en œuvre d'un allotissement est rendue particulièrement compliquée. Aussi, vous êtes donc demandé d'autoriser le lancement donc, d'un accord cadre mono-attributaire comportant un lot unique, exécuté au fur et à mesure de l'émission du bon de commande. Ici, annuel qui est entre 105 000 euros hors taxe et 126 000 euros hors taxe pour complément. Merci Jean-Luc. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Merci. Modification de la composition des commissions thématiques. Bernard. Oui, donc deux délibérations qui ont trait à la démission du mandat de conseillère municipale de Madame Sylvie Billa de la commune de Couzex. Donc par délibération numéro 2.2 en date du 22 septembre 2020, Madame Sylvie Billa avait été désignée en tant que membre de deux commissions, la commission environnement durable et mobilité et réseau. Et donc de par le fait de sa démission, elle ne peut plus exercer celui de conseillère communautaire, et donc il vous est demandé de modifier la composition des commissions thématiques concernées. Merci Bernard. Donc il pourrait être proposé en tant que membre de la commission mobilité et réseau, Madame Delphine Moulin, et en tant que membre de la commission environnement durable, Madame Nadine Rivet. Y a-t-il, puisque c'est des désignations dans les commissions, y a-t-il une demande de vote à bulletin secret ? Je suppose que non. OK, merci beaucoup. Y a-t-il des oppositions à ces deux candidatures ? Des abstentions ? Félicitations à vous. Bernard, tu poursuis. Donc, la deuxième modification concerne une délibération 1-10 du 22 juillet 2020. Et concerne le collège citoyen au sein du conseil de développement. Donc il vous est demandé de désigner un nouvel élu de la communauté urbaine référent pour ce collège citoyen. Merci Bernard. Donc là, idem, il n'y a pas de demande à vote de bulletin secret. Et nous vous proposons aussi la candidature de Madame Moulin en remplacement de Madame Billa. Des oppositions, des abstentions. Félicitations. Aide à l'investissement immobilier entreprise à la SRL Empreinte Nature. Monsieur le maire de Limoges. Je vais essayer de regrouper deux délibérations. D'une part, qui ont trait à l'aide à l'investissement. D'une part, SRL Empreinte Nature, qui achète 600 mètres carrés, 48 rue Léonard Samy pour 100 352,68 euros hors taxe. Et qui bénéficierait d'une aide de 7 196,50 euros.
Et d'autre part, la CAPEB, qui, elle, va s'installer sur les locaux qui sont libérés aux portes ferrées, pour y en réimplanter son siège social ainsi que des structures satellites et partenariales. L'investissement prévisionnel hors taxe est estimé à 1 467 000 euros. La CAPEB a sollicité l'aide de Limoges Métropole. Il vous est demandé d'accorder une aide plafonnée à 50 000 euros à la CI BEPAC et d'autoriser le président à signer les conventions avec ces deux entreprises, SRL Empreinte et CAPEB. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Merci. Émile, tu poursuis. Donc, dans l'aide au loyer, là encore, dans l'aide au loyer, deux entreprises. D'une part, Adidream, l'acteur de référence de l'impression 3D pour le médical. Adidream, il vous est demandé, dans ce cadre des dispositifs d'aide à l'immobilier d'entreprise, de leur accorder une subvention plafonnée à 15 607,20 euros, soit 20% des dépenses de loyer. Et la Sotimeco, l'attribution d'une subvention équivalente à 20% des dépenses de loyer, plafonnée à 15 084,20 euros. Merci. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Émile, toujours. Alors, dans le cadre des grandes orientations de la stratégie d'innovation territoriale SIT de Limoges Métropole, il vous est demandé de confirmer la poursuite des partenariats avec le pôle européen de la céramique et le pôle Alpha Route des lasers et des hyperfréquences et l'attribution au titre de 2021 d'une subvention de 30 000 euros pour le pôle européen de la céramique et de 40 000 euros pour Alpha Route des lasers, et d'autoriser le président à signer les conventions afférentes. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Et enfin, territoire en transition hydrique ? Enfin, afin de s'engager dans une démarche de diminution de la consommation de l'eau, enjeu sociétal et d'aménagement du territoire, Limoges Métropole a identifié l'eau dans le cadre de la stratégie d'innovation territoriale parmi les quatre filières économiques prioritaires du territoire. Ainsi, elle souhaite, pour travailler sur cette thématique économique et politique, porter un projet systémique, démonstrateur et stratégique qui poursuit quatre objectifs. Disposer d'eau en quantité et en qualité pour tous les usages. Augmenter la performance économique des entreprises industrielles ou non et des organismes publics, hôpitaux, bâtiments administratifs, services publics dont les activités nécessitent des besoins en eau. Soutenir le développement d'entreprises offrant des solutions innovantes et développant de nouveaux marchés. Et enfin, communiquer sur une image de territoire résilient, exemplaire et innovant. Dans le cadre de la gouvernance de ce projet majeur, sont instaurées diverses instances dont la composition figure dans le dossier qui vous a été remis. Afin de mettre en œuvre cette démarche, un prestataire a été retenu. Les premières actions pourraient alors démarrer avant la fin 2021. Il vous est demandé de valider les quatre objectifs de la stratégie de transition hydrique de Limoges Métropole et de prendre acte de la composition des instances de gouvernance. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté, merci. Création d'une zone d'activité économique sur le secteur des Bouyges à Verneuil, Gaston. Oui, afin d'assurer le développement économique futur de la communauté urbaine, il est proposé de procéder en interne à toutes les études nécessaires à la création d'une zone d'activité sur le secteur des Bouyges à Verneuil-sur-Yenne. Il vous est demandé d'approuver le principe de cette création, d'autoriser le président à prendre toute disposition d'urbanisme, environnemental, archéologique et forestier, à déposer toute demande d'autorisation et à solliciter. On n'a pas le son. On n'avait pas l'image, on n'a pas le son. Mon micro, là, vous m'entendez ? Oui, Gaston.
Je recommence, alors, si vous, monsieur le président. Donc, création d'une zone d'activité économique secteur des Bouilles à Verneuil. Afin d'assurer le développement économique futur de la communauté urbaine, il est proposé de procéder en interne à toutes les études nécessaires à la création d'une zone d'activité sur le secteur des Bouilles à Verneuil-sur-Vienne. Il vous est demandé d'approuver le principe de cette création, d'autoriser le président à prendre toute disposition d'urbanisme, environnemental, archéologique et forestière, à déposer toute demande d'autorisation et à solliciter l'obtention de subventions auprès d'éventuels partenaires financiers. Merci Gaston. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Adopté. Office de tourisme intercommunal, programme d'action 2021. Madame Rosette. Oui, merci, Président. Donc, il vous est demandé d'approuver la poursuite du partenariat avec l'OTI, le plan d'investissement prévisionnel pour améliorer en particulier les conditions d'accueil des visiteurs et de fixer le montant de l'aide financière pour 2021 à 804 500 euros, répartis entre une subvention de 604 500 euros et le reversement du produit de la taxe de séjour à hauteur de 200 000 euros. Il vous est également demandé d'approuver le principe de candidater à la démarche contrat de destination afin de construire un partenariat spécifique de la destination Limoges avec le comité régional du territoire. Merci. Merci. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Adopté. Projet OPSLIM, lancement d'une étude de faisabilité complémentaire. Monsieur le Président, chers collègues, afin de prendre en compte les modalités de portage et de financement, mais également pour envisager l'intégration dans une approche touristique du futur observatoire, il apparaît nécessaire de s'attacher les services d'une assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisée dans les projets qui allient tourisme et culture scientifique, technique et industrielle. Limoges Métropole prendra à sa charge la réalisation de cette étude sans préjuger de la maîtrise d'ouvrage future de l'équipement. Dans ce cadre, il vous est demandé d'approuver le lancement de l'étude de faisabilité relative au projet OPSLIM et d'autoriser le président à effectuer toute démarche auprès de partenaires financiers potentiels. Et si je peux apporter des petites précisions, donc les finalités complémentaires recherchées seraient de disposer d'une analyse du projet initial au regard des attentes du public et des autres sites présents en France et en Europe, d'une étude de marché complémentaire au regard des cibles visées et des partenaires et investisseurs privés qui pourraient être intéressés, d'un benchmark des modèles économiques et juridiques compte tenu des travaux déjà conduits par Limoges Métropole, d'approches scénographiques possibles afin de renforcer l'offre déployée et de propositions afin d'intégrer ce projet OPSLIM au sein de circuits touristiques du territoire. Donc c'est un observatoire qui serait construit sur la commune de Périllac, ce qu'on appelle le Far West de l'agglomération de Limoges, en fait. C'est notre ami Claude Compin. Bien, merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Des oppositions, des abstentions? Adopté. Merci. Procédure transactionnelle du Zénith de Limoges Métropole, indemnisation au regard de la crise sanitaire due au Covid-19. Fabien. Oui, monsieur le président. Suite à la crise sanitaire découlant du Covid-19 et à l'absence de... Éteins-le l'autre, là. On n'entend pas, Fabien. Changement de micro. Je ne parlais pas. Ça fonctionne, là ? Bien, alors, monsieur le président, chers collègues, je reprends. Suite à la crise sanitaire découlant du Covid-19 et à l'absence de visibilité sur la reprise des spectacles et manifestations organisées au sein du Zénith Limoges Métropole et Espace 2. Non, il est loin. C'est pas ça. Bien, je reprends donc suite à la crise sanitaire découlant du Covid-19 et à l'absence de visibilité sur la reprise des spectacles et manifestations organisées au sein du Zénith Limoges Métropole
et Espace TSE ont convenu de conclure un avenant transactionnel au titre de l'année 2020. En application du Code de la commande publique, Limoges Métropole pourrait accompagner la société Espace TSE à hauteur de 75 836 euros, représentant 80% de la perte de l'année 2020. Elle annulerait également les deux titres des redevances annuelles 2020 dues par la société Espace TSE à Limoges Métropole, qui sont prévues au contrat de concession d'un montant de 72 204,89 euros. Il vous est demandé, chers collègues, d'approuver le principe de cet avenant transactionnel et la somme à verser par Limoges Métropole à la société SNC Zénith de Limoges pour l'année 2020 d'un montant de 75 836 euros et d'autoriser le président à le signer et d'annuler les titres des redevances annuelles 2020. Merci. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Tu poursuis avec la prolongation du contrat de concession de service public au Zénith ? Oui, président. Donc, le contrat de concession de service public CSP pour la gestion et l'exploitation de la salle de spectacle du Zénith, conclu avec la société Espace TSE, devant s'achever le 30 juin 2021, la communauté urbaine a engagé une procédure de renouvellement de ce contrat. En raison de la crise sanitaire, cette procédure a été stoppée et il est proposé de conclure un avenant de prolongation d'une année à ce contrat pour la période qui s'étendrait du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Concernant les modalités financières de cet avenant, Limoges Métropole pourrait annuler les deux titres des redevances de l'année 2021 dues par la société Espace qui sont prévues au contrat de concession d'un montant de 71 829,59 euros, ramenant la dernière demande de compensation à 131 470 euros net à la charge de Limoges Métropole. Il vous est demandé d'approuver la prolongation de la concession de service public pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et le versement de la somme de 131 470 euros par Limoges Métropole à la société SNC Zénith de Limoges et d'autoriser le président à signer l'avenant de prolongation et d'annuler les titres des redevances annuelles pour 2021. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté, merci. Le vélodrome, Fabien ? Oui. Le vélodrome avec le choix technique permettant d'empêcher la formation de la condensation sur les pistes. Depuis fin janvier 2020, le vélodrome de Limoges Métropole connaît un phénomène de condensation sur ses pistes qui empêche à ce jour une utilisation normale de cet équipement. 8 solutions ont été étudiées permettant de traiter le phénomène. Après analyse, il est apparu que le principe d'assécher l'air du dôme en le déshumidifiant avant son insertion dans le dôme grâce à une roue dessiccante à gel de silice soit une solution efficace et reconnue, notamment dans le milieu de l'industrie, présentant de nombreux avantages. Coût d'investissement et de fonctionnement moins élevé, opération de maintenance préventive simple et moins contraignante. Donc il y avait deux solutions qui vous ont été présentées, de déshumidification par groupe froid et de déshumidification par roue à gel de silice. Et il vous est demandé d'approuver de choisir la solution technique, qui était la numéro 7 en l'occurrence, d'un coût de 239 100 euros hors taxes et qui engendrerait des coûts de fonctionnement annuels de 12 300 euros hors taxes. Si cette solution était retenue, les travaux pourraient être réalisés au plus tard en octobre 2021 pour une utilisation optimale du vélodrome à l'automne 2021, avec bien évidemment une obligation de résultat. Madame Ildirim. Monsieur le Président, lors de la dernière séance du Conseil communautaire, le sujet du vélodrome a suscité un débat, moi que je qualifierais de légitime. Et à la lecture de cette délibération, je me réjouis qu'une solution technique soit trouvée. Et j'espère que grâce à cette solution, cet équipement communautaire retrouvera son public. Merci. Eh bien, moi, je me réjouis que les services de Limoges Métropole, sous la houlette de l'élu qui a la charge des grands équipements, ait réussi à trouver une solution technique. Et mon cher Fabien, je tiens à te remercier sincèrement pour l'engagement qui a été le tien dans ce dossier, tout comme celui qui a été le tien pour le Zénith et demain, j'en suis certain, pour l'Aquapolis. Merci beaucoup. Monsieur le maire. Comme nous sommes dans la Semaine Sainte, je ferai une prière et je ferai brûler un cierge pour qu'il y ait beaucoup plus de réussite qu'il n'y en a eu pour le stade de Beaublanc. Merci. D'autres remarques ? Oui, monsieur Miguel.
Monsieur le Président, moi, comme je suis plutôt un fervent défenseur de la laïcité, je ne ferai pas de prière, parce que je pense que ça ne sert pas à grand-chose. À titre personnel, je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait de la volonté, de l'engagement, et tout est dans le travail qui doit être réalisé, sans aucune polémique, bien sûr. Et là, on peut remercier l'ensemble des services qui ont su trouver des réalisations techniques pour permettre à ce vélodrome d'être utilisable très rapidement. Et malheureusement, c'est inhérent à toute infrastructure. Et quand vous aurez réalisé des grandes infrastructures, eh bien, vraisemblablement qu'à un moment ou un autre, il y aura des difficultés que vous rencontrerez. Et c'est bien normal, c'est technique. Et j'espère que les services auront la même efficience à ce moment-là. Je vous remercie. D'autres remarques ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions sur cette solution ? Oui, monsieur Porto ? Abstention ? D'accord. Une abstention ? Pas d'autres abstentions à la télévision, là ? Non ? Pas d'opposition ? Adopté, merci. Fabien, tu poursuis ? Oui, monsieur le Président, merci de vos mots tout à l'heure. Juste pour vous préciser, je ne fais que mon travail, uniquement mon travail, assumer, analyser, décider. C'est ce que je vous ai dit l'autre jour en bureau communautaire, mais merci de vos mots qui me touchent. La première édition du triathlon de Limoges Métropole, avec l'organisation et la présentation des épreuves. Donc le contrat de concession de services publics conçu avec Vermarine, qui porte sur la période 2020-2025, je vous rappelle, pour l'exploitation du centre aquatique, prévoit l'organisation annuelle d'un triathlon des équipements communautaires qui est prévu le dimanche 24 octobre 2021, avec la petite phrase magique, sous réserve des conditions sanitaires du moment. Une organisation a également été mise en place avec l'ensemble des partenaires par le biais d'une équipe projet, de groupes de travail restreints et thématiques, ainsi que d'un comité de pilotage, cher mon ami Dupalais. La composition de ces instances figure dans le dossier qui vous a été remis. Il vous est demandé de prendre acte de l'organisation de la première édition du triathlon Limoges Métropole et de celle mise en place pour mener à bien ce projet qui, je l'espère, sera une grande réussite et en appellera bien d'autres par la suite. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions sur cette délibération ? Adopté. Gilles, tu nous parles d'aide au développement des technologies de l'information ? Ça va être bref. Il vous est demandé de donner votre accord au versement d'un fonds de concours à la commune de Vérac pour un montant de 3 562,34 € pour l'achat de matériel informatique à caractère éducatif à destination de son groupe scolaire. Je suppose qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Protocole d'accord départemental de reprise économique 2021-2022 conclu avec le département de la Haute-Vienne. Vincent Jalbi. Je parlais afin de faire. Rendu compte plus tôt que le président du département et le conseil départemental nous avaient sauvés. Et je vais même plus loin. En lisant entre les lignes, j'ai essayé de m'enlever de la tête l'idée que le département de la Haute-Vienne avait réussi à glisser à Bruno Le Maire la nécessité de faire un plan de relance. Donc, ce discours particulièrement bien établi, que nous allons voter, c'est un discours à la gloire. Certains parleraient du grand architecte de l'univers, presque. Tellement, tellement c'est merveilleux. Je voudrais dire qu'en cette période, et je vais y revenir, au risque de choquer, moi qui suis aussi un laïc, au risque de choquer, Saint-Jean-Claude, ayant sauvé le département, ayant sauvé les collectivités, il est important que nous ne trahissions pas dans cet hémicycle parce qu'il pourrait être crucifié vendredi. Donc je voterai
cette délibération, car je pense qu'elle est une outrance de ce qui peut être une présentation politicienne, alors que la démarche politique est importante. Au fond, quand j'y regarde de près, qu'est-ce que je vois ? 47,5% de la population qui reçoit 8,5% des crédits, et qui reçoit des crédits qui sont en accompagnement et non pas le plan de relance. Donc, pour que le président du conseil départemental, qui a réussi à me convaincre du bien fondé et de l'efficacité de son action, et pour lequel, d'ailleurs, je regrette de ne pas pouvoir voter lors des prochaines élections départementales, je voterai la délibération. Bien. D'autres observations ? Madame Indirim. Monsieur le Président, je regrette vraiment les propos de monsieur le maire. Je trouve que c'est pas le lieu. On est dans un EPCI où on essaie de travailler ensemble. La dernière fois, on nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas faire de politique dans cette enceinte. Et donc, je regrette, monsieur le maire, vos propos à l'égard du département, que je ne comprends pas. Bien, d'autres observations ? Pas d'autres observations ? Y a-t-il des oppositions à cette délibération ? Des abstentions ? Adopté, merci. Contrat d'agglo, avenant numéro 2 avec le département. Vincent, c'est plus neutre, ça. Alors, on parle toujours du... des projets dits structurants sur le volet 1 et des projets dans le cadre du volet complémentaire, volet 2. Je vous ai demandé de trouver l'application du l'avenant numéro 2 approuvé lors de la délibération du 14 février 2019 et qui n'a pas connu de début d'exécution, d'approuver le nouvel avenant au contrat d'agglomération conclu avec le département de la Haute-Vienne et d'autoriser le président à le signer, et d'approuver les deux listes d'opérations qui seront présentées au département de la Haute-Vienne pour arbitrage dans le cadre des volets 1 et 2 de cet avènement, puisque la liste des projets retenus n'est pas encore définitivement connue. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, Madame Indirim. Simplement, dans le prolongement de mon intervention de tout à l'heure, Monsieur le maire, le contrat d'agglomération est un exemple du soutien apporté par le département à l'agglomération. Donc, ça veut dire que notre collectivité apporte aussi un soutien et qu'il faut l'utiliser, ce contrat d'agglomération, avec des projets. Oui, oui, si vous voulez. Je ne dis pas que vous n'apportez pas une aide. Je dis que cette aide est limitée et qu'elle est tout à fait logique et normale, elle fait partie du fonctionnement du département. Point à la ligne. Je vous remercie. Merci. Des remarques sur cette délibération ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Merci, Vincent. Tu poursuis sur le franchissement de l'Avin ? Et donc, je finis sur le plan de financement prévisionnel du franchissement de l'Avin sur la commune de Limoges entre la Bétide et Puy-Poncher. Puisque dans le cas de ce franchissement, Limoges Métropole a obtenu une aide financière de l'État d'un montant de 1 million d'euros de dotation dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local à Décines. De plus, dans le cas du programme opérationnel européen Limousin 2014-2020, le soutien financier de l'Europe a été sollicité sur les crédits restants de la programmation 2014-2020 à hauteur d'un plafond annoncé par les services régionaux de 1 million. Et donc, le plan de financement qui vous est présenté dans ce document tient compte de l'aide financière de l'État au titre de la DECIL et de l'Europe au titre du FEDER. Et donc, ce franchissement qui est estimé à 9 189 000 euros pourrait être financé à hauteur de 10,88% par la DECIL et de 10,88%, donc 1 million, par le FEDER. Ce qui ramènerait bien sûr la charge pour Limoges Métropole à 1 189 000. À 7 189 000.
Et donc, il vous est demandé de valider ce plan de financement prévisionnel ainsi que la participation financière de l'Europe au titre du FEDER conformément à ce plan. Merci. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adoptées. Centrale énergie déchets de Limoges Métropole, prix complémentaire pour les clients. Oui, merci. Moi, je fais juste une petite parenthèse parce que depuis 6 ans, bientôt que je siège au conseil départemental, aujourd'hui, je suis heureuse de lire tout ce que le département fait et l'autosatisfaction que certains en retirent. Enfin bon, il est tard pour se réveiller, décider de faire vivre le territoire, mais c'est vaut mieux tard que jamais. Non, je réponds. Alors, centrale énergie déchets de Limoges Métropole. Donc, Limoges Métropole a été sollicitée pour accueillir sur son installation 3000 tonnes par an de déchets ménagers issus de ménages sur un périmètre différent de celui de l'entente créée avec le CIDED 87 et Evolis 23. Aussi, les membres de celle-ci, lors de sa 4e conférence en date du 2 février, ont proposé de conserver le principe de disposer d'un prix différencié entre les membres de l'entente et les clients extérieurs. Il vous est donc demandé de voter l'application au 1er janvier 2021 d'un nouveau tarif de 90 euros la tonne hors TGAP pour les clients extérieurs et d'autoriser le président à signer les conventions nécessaires. Merci. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Je poursuis. Oui, donc une délibération, une convention, un versement d'un fonds de concours entre Limoges Métropole et la commune de Limoges qui a retenu le choix d'implanter un conteneur enterré dédié au verre sur le parking public situé à l'angle des rues François Perrin et du Puy La Rodasse, dont le coût représente un montant de 9 700 euros hors taxes. Dans le cadre des dispositions du règlement de collecte, il vous est demandé d'autoriser le président à signer la convention de versement d'un fonds de concours d'un montant de 4 850 euros net avec la commune de Limoges. Donc ça, c'est une solution qui permet d'atténuer fortement les désagréments du bruit du verre lorsqu'il se casse. Merci. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions adoptées. Sarah, tu poursuis toujours, accord cadre relatif à la fourniture. Oui, il vous est demandé d'autoriser le lancement d'une consultation sous forme d'appel d'offres ouvert relative à la fourniture et installation de pièces détachées pour les équipements du centre de recyclage en 9 lots séparés gérés en régie. Les estimations par lot sur la durée de l'accord cadre sont précisées dans le dossier qui vous a été transmis. Merci. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Opération d'archéologie préventive 2021. Philippe Janicot, s'il te plaît. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, afin de permettre une simplification administrative et une plus grande réactivité pour le lancement des travaux par Limoges Métropole sur certains secteurs classés en sites patrimoniaux remarquables, les conventions relatives à la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive à intervenir avec l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, pourraient être signées par le président de la communauté urbaine sur la base d'une convention type. Ainsi, il vous est demandé d'approuver cette convention type, d'autoriser le président à signer sur cette base les conventions à intervenir et à solliciter les autorisations d'urbanisme ou autres nécessaires au projet auprès des autorités compétentes. Il y a l'annexe. Associé. Abstention adoptée. Convention d'action foncière entre l'EPF et Limoges Métropole, la commune de Couzex. Monsieur Léoni. Le temps de prendre ma note. Hop. Tac. Autant pour moi, j'ai la tablette qui n'avance pas trop fort ce soir. Hop. Par délibération du 20 septembre 2018, le Conseil communautaire de Limoges Métropole a adopté une délibération afin d'engager un partenariat avec l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine au travers de 2 conventions cadres.
Ces conventions cadres fixent les grands enjeux d'intervention sur le territoire en se basant sur les documents supracommunaux, programme local d'urbanisme, PLH, schéma de cohérence territoriale SCOT et leurs spécificités. Elles permettent également d'identifier les premiers projets et les priorités d'intervention opérationnelle. Ainsi, deux conventions cadres concernant l'économie et l'habitat ont été adoptées pour la période 2018-2022 afin de permettre la mise en œuvre d'une stratégie foncière volontariste sur le territoire reposant sur la limitation de l'étalement urbain, une consommation raisonnée du foncier. Ces deux conventions cadres permettent l'engagement de partenariats pour la réalisation de projets avec les communes au travers de conventions opérationnelles dont Limoges Métropole est signataire. Ces conventions opérationnelles, qui répondent au contexte local et aux conditions de faisabilité économique des opérations, doivent permettre de mobiliser les moyens nécessaires au retraitement de foncier dans le cadre de ces projets. Ainsi, il est proposé d'adopter une convention opérationnelle avec la commune de Couzex pour la réalisation d'un projet global en renouvellement urbain permettant la construction d'un équipement public intégrant une crèche, de nouveaux services publics ainsi qu'une offre en logements locatifs sociaux. Lors de l'inventaire annuel réalisé dans le cadre de la loi Solidarité et renouvellement urbain au 1er janvier 2020, le taux de logements locatifs sociaux pour la commune de Couzex s'élevait à 12,47%. La réalisation d'opérations de ce type doit donc permettre à la commune de se mettre en conformité avec les objectifs imposés par l'article 55 de ce texte législatif, soit 20% des résidences principales, et de poursuivre les objectifs inscrits au SCOT et au PLH. Ces nouveaux logements s'inscriront dans le cadre de la reconstitution de l'offre en logements locatifs à l'échelle du territoire métropolitain. En effet, à l'occasion des projets de renouvellement urbain, des quartiers politiques de la ville et de la communauté urbaine, une part importante de l'offre déconstruite à l'échelle de ces quartiers doit être reconstruite dans les communes déficitaires au titre de la loi SRU, dont Couzex fait partie, de manière à initier un rééquilibrage territorial de l'offre sociale à l'échelle intercommunale. Aussi, sur la période triennale 2020-2022, cette commune doit prévoir la construction de 98 logements locatifs sociaux pour atteindre le taux réglementaire de 20% prévu par la loi SRU. Dans le cadre du diagnostic foncier réalisé en coordination avec le PFNA, la parcelle cadastrée section EK numéro 30 apparaît comme un potentiel foncier pour le développement de l'habitat. Dans la continuité de cette étude, ces fonciers sont jugés stratégiques au regard des orientations du PLH et du projet communal, et par conséquent prioritaires pour faire l'objet d'une intervention foncière et ainsi faciliter la concrétisation d'une opération d'habitat. Ainsi, après concertation avec la commune, il est proposé d'établir une convention afin de maîtriser la parcelle EK numéro 30 en parallèle d'un partenariat collaboratif visant à aboutir à une stratégie d'intervention et d'un projet définitif sur ce site. Cette convention définit le périmètre sur lequel une démarche de veille active sera engagée par le PFNA, à savoir la parcelle cadastrée section EK numéro 30 d'une superficie de 3388 m², localisée 153 avenue de Limoges à Couzex. Cette parcelle accueille une maison d'habitation vacante depuis une quinzaine d'années d'une surface d'environ 110 m². La municipalité entreprend ainsi une réflexion visant à la maîtrise de ce foncier situé en cœur de bourg afin de promouvoir à terme la construction d'un équipement public de type crèche, de nouveaux services publics et la construction de logements sociaux. Le projet devra être affiné ultérieurement par la commune et la communauté urbaine. Il pourra faire l'objet d'une étude de préfaisabilité visant à déterminer la faisabilité technique et financière d'une opération. Sur ce périmètre de veille foncière, le PFNA engagera une démarche d'acquisition amiable dans le cadre d'une réflexion globale. Ce projet nécessitera d'identifier un porteur de projet. Les acquisitions ne se feront que dans la mesure où le prix permet la réalisation future d'une opération. Les préemptions ne peuvent être réalisées en révision de prix qu'après délégation du droit de préemption par Limoges Métropole à le PFNA par délibération du conseil communautaire. En effet, la commune n'a pas la compétence pour déléguer le droit de préemption urbain à l'EPFNA qui relève de la compétence de la communauté urbaine. Le droit de préemption actuellement délégué à la commune lui est donc retiré pour les emprises concernées par le projet redélégué à l'EPFNA. Au terme de la durée conventionnelle de portage, soit 4 ans à compter de la première acquisition ou pour les biens expropriés à compter du premier paiement effectif ou de la première consignation des indemnités d'expropriation, Limoges Métropole est tenu de solder l'engagement de l'EPF et donc de racheter les biens acquis par celui-ci, soit le prix d'acquisition augmenté des frais subis lors du portage de ses études. L'engagement financier maximal de l'EPFNA est de 500 000 euros hors taxes. Il vous est donc demandé de retirer la délégation du droit de préemption urbain précédemment consenti à la commune de Couzex sur les parcelles concernées par le périmètre de réalisation défini ci-dessus, de déléguer le droit de préemption urbain à l'EPFNA sur ce même périmètre de réalisation, d'autoriser le président à signer la convention opérationnelle avec le PFNA et la commune de Couzex, ainsi que tout document nécessaire au bon déroulement de ce dossier. Je précise, Monsieur le Président, que je ne prends pas part au vote, étant moi-même administrateur de l'EPF. Merci. Monsieur Philippe Pouliadefaille, vous avez un disciple digne de vous, puisqu'on a à peu près eu droit à la même dimension de présentation que vos délibes au Conseil municipal sur la culture. Monsieur Léoni, vous me promettez que vous ne vous opposerez pas au regroupement des délibes pour les prochains conseils communautaires. Là, c'était pour le coup pas synthétique. En tout cas, merci. On prend bien note que vous ne prenez pas part au vote. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ?
Oui, Monsieur Roux. Juste une question par rapport à ça. Bon, ma question ne remet pas en cause la pertinence du projet, mais juste une interrogation par rapport à l'obligation de rachat. On se trouve sur une opération en fait au sein de la ville de Couzeix où il y a à la fois des opérations logement social, donc qui relèvent bien de la compétence de Limoges Métropole, mais aussi à la fois, si j'ai bien compris, des opérations communales, structures, crèches ou autres. Et la question que je pose tout simplement, c'est que dans l'obligation de rachat, la convention prévoit effectivement que c'est exclusivement le PCI qui a cette obligation de rachat, et est-ce qu'au cas particulier, enfin, je suppose que ça fait l'objet de négociations, mais il me semblerait pertinent de réfléchir à une obligation de rachat qui soit partagée, effectivement, s'il y a un projet partagé sur cette parcelle-là. Voilà. C'est une simple remarque. Et en tout cas, bon, si la totalité n'est pas réservée à du logement social, voilà, il me paraîtrait cohérent que les deux parties soient parties prenantes dans cette obligation de rachat. Voilà. Ça peut s'imaginer, tout à fait. C'est déjà le cas. D'autres remarques ? Des oppositions, des abstentions ? Adopté, merci. Vincent, toujours. Tu nous fais les synthèses. Hein. Ah, alors, le problème, c'est que je n'en ai pas des synthèses, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, concernant l'approbation d'un protocole d'accord avec le cadre, dans le cadre d'une médiation concernant le lotissement du Pradoumier sur la commune de Verneuil-sur-Vienne, il vous est demandé d'approuver la démarche relative à la conclusion d'un protocole d'accord avec les requérants selon les modalités exposées ci-dessus. Je vous laisse lecture. Et d'autoriser le président à signer le protocole d'accord ainsi que tous les autres documents nécessaires au bon déroulement de la procédure. Des questions, des oppositions, des abstentions adoptées, approbation de la modification simplifiée numéro 7 du PLU de Fétia. Alors toujours par rapport à ça, là il faut que je vous lise quand même les avis de la mise à disposition. Donc les personnes publiques associées PPA, à savoir l'Agence régionale de la santé et la Chambre d'agriculture, ont répondu que le projet n'appelait pas d'observation. Le conseil départemental a répondu favorablement avec des observations qui ont été prises en compte. À ce stade, il convient que le conseil communautaire se prononce quant à l'approbation de cette modification simplifiée numéro 7 du PLU de la commune de Fétia, conformément à l'article L153-47 du Code de l'urbanisme. La délibération motivée d'approbation du conseil communautaire sera ensuite transmise au préfet de la Haute-Vienne et fera l'objet des mesures de publicité légalement requises. Il vous est demandé d'approuver la modification simplifiée numéro 7 du PLU de la commune de Fétia, tout en prenant en compte les observations émises par les PPA, d'autoriser le président de Limoges Métropole à signer tout document afférent à ces modifications simplifiées numéro 7 du PLU de Fétia. Merci. Des questions, des oppositions, des abstentions, adoptées. Tu poursuis. Donc là, nous sommes sur les modalités relatives à la procédure de modification simplifiée numéro 4 du PLU de la commune de Panazol, suppression de l'emplacement réservé numéro 18. Je vous fais grâce donc de tout le texte initial. Je vous indique uniquement, même pas d'ailleurs, parce qu'il y a toute la procédure, la fameuse procédure légale de publicité, donc je pense que vous les connaissez par cœur. Il y aura interrogation écrite la semaine prochaine. Il vous est demandé de prescrire la modification simplifiée du PLU de la commune de Panazol en application des dispositions de l'article L153-45 du Code de l'urbanisme, d'autoriser les services de Limoges Métropole à mener les études relatives à la préparation du dossier, d'autoriser le président à signer tout document nécessaire au bon déroulement de ce dossier, d'imputer sur les crédits prévus à cet effet au budget communautaire les sommes nécessaires à la modification simplifiée du PLU et d'autoriser le président à solliciter en application de l'article L153-40 du Code de l'urbanisme l'association des services de l'État et à en déterminer les modalités. Bien, merci. Des questions, des oppositions, des abstentions, adoptées. Tu poursuis, Vincent. Dans le même état d'esprit, la révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Boisseuil, c'est la réduction d'un espace boisé classé. Donc je vous fais là encore une fois grâce de tout, la procédure si vous le souhaitez. Et donc, considérant l'opportunité et l'intérêt pour la commune de procéder à la révision allégée numéro 1 du PLU selon les modalités prévues à l'article L153-34 du Code de l'urbanisme, dite allégée, et les modalités de l'enquête publique définies ci-dessus en application de l'article L153-19 du Code de l'urbanisme, il vous est demandé de prescrire la révision allégée du PLU de la commune de Boisseuil en application des dispositions de l'article L153-34 du Code de l'urbanisme, d'autoriser les services de Limoges Métropole à mener les études relatives à la préparation du dossier, d'autoriser le président à signer tout document nécessaire au bon déroulement de ce dossier, d'imputer sur les crédits prévus à cet effet au budget communautaire les sommes nécessaires à la révision allégée du PLU, d'autoriser le président à solliciter en application de l'article L153-40 du Code de l'urbanisme l'association des services de l'État et à en déterminer les modalités. Merci. Des questions, des oppositions, des abstentions adoptées. Tu poursuis. Oui.
Abrogation de la délibération numéro 4.19 du Conseil communautaire du 22 juillet 2020 concernant la prescription d'une procédure de révision allégée numéro 1 sur la commune de Limoges afin de réduire un espace boisé classé. Par délibération date du 22 juillet 2020, le Conseil communautaire a décidé de prescrire une révision allégée sur le plan local d'urbanisme de la ville de Limoges. Cette révision allégée numéro 1 consistait à déclasser une partie d'un espace boisé classé sur la parcelle KX0098 en vue de permettre l'implantation d'un local technique dans le cadre d'un projet de turbine hydroélectrique sur les conduits d'adduction aux eaux brutes alimentant l'usine de la Bâtide. Le périmètre du projet ayant évolué, il conviendra donc de lancer une nouvelle procédure. Il vous est demandé d'abroger la délibération numéro 4.19 du Conseil communautaire du 22 juillet 2020 concernant la prescription d'une procédure de révision allégée numéro 1 sur la ville de Limoges et de manière générale de donner au président toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. Merci. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Et tu termines, Vincent, s'il te plaît. Donc là, c'est la suite logique, c'est la révision allégée numéro 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Limoges, donc c'est réduction d'un espace boisé classé, vu qu'on a annulé la précédente, il en faut une nouvelle. Je vous fais grâce de tous les détails, parce que c'est relativement long. Et donc, il vous est demandé de prescrire la révision allégée du PLU numéro de la commune de Limoges en application des modifications de l'article L153-34 du Code de l'urbanisme, d'autoriser les services de Limoges Métropole à mener les études relatives à la préparation du dossier, d'autoriser le président à signer tout document nécessaire au bon déroulement de ce dossier, d'imputer sur les crédits prévus à cet effet au budget communautaire les sommes nécessaires à la révision allégée du PLU, et enfin d'autoriser le président à solliciter en application de l'article L153-40 du Code de l'urbanisme l'association des services de l'État et à en déterminer les modalités. Merci Vincent. Des questions ? Des oppositions, des abstentions, adoptées. Jacques Roux, renouvellement de la convention de veille foncière avec la SAFER. Merci, Monsieur le Président. Donc, la convention de veille foncière sur l'ensemble du territoire communautaire conclue entre Limoges Métropole et la SAFER Nouvelle-Aquitaine arrive à échéance au 30 juin 2021. Son renouvellement pourrait intervenir avec de nouvelles conditions financières concernant le versement d'un forfait fixe de 10 000 euros hors taxes par an et permettant l'accès à l'outil Vigifoncier à Limoges Métropole et à ses communes. De plus, concernant l'usage du droit de préemption de la SAFER, le Conseil communautaire pourrait autoriser le président à saisir directement la SAFER dans un délai de 10 jours maximum afin de ne pas perdre une opportunité foncière pour Limoges Métropole, moyennant une rémunération de 700 euros hors taxes par dossier de préemption, quelle qu'en soit l'issue. Il vous est demandé d'autoriser la signature de la convention cadre avec la SAFER Nouvelle-Aquitaine et d'autoriser le président à saisir la SAFER directement dans le cadre d'une opportunité foncière. Très bien. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Vous noterez que je ne prends pas part au vote. Contrat de ville, nouveau programme de renouvellement urbain. Catherine. Merci, Président. Bonsoir à tous. Il vous est donc demandé de prendre en compte les modifications et les compléments apportés aux délibérations numéro 11-1 du 21 décembre 2018 et numéro 20-1 du 18 décembre 2020 relatives au lancement d'une consultation en appel d'offres ouvert pour deux missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du pilotage du NPRU, tel que précisé dans le dossier qui vous a été transmis. Des questions ? Des oppositions, des abstentions, adoptées. Merci Catherine. Accord cadre à bon de commande afférent aux travaux d'entretien spécifiques de la voirie de Limoges Métropole. Gilles. Alors, l'accord cadre à bon de commande multi-attributaire relatif à la réalisation de travaux sur la voirie ayant donné lieu à l'apparition de difficultés, il a été proposé de ne pas le reconduire. Il vous est donc demandé d'autoriser le lancement d'une consultation sous forme d'appel d'offres ouvert relative à ce type de travaux. Des abstentions adoptées. Tu poursuis, Gilles. Donc, un accord cadre relatif aux travaux de marquage routier. Donc, le marché actuellement en cours arrivant prochainement à échéance. Il vous est demandé d'autoriser le lancement d'une consultation sous forme d'appel d'offres ouvert relative aux travaux de marquage routier et qui concernerait la fourniture et la réalisation de marquage au sol en peinture, enduit bicomposant, bande préfabriquée en ou résine. Merci. Des oppositions, des abstentions, adoptées. Gilles, toujours. Donc, fourniture de, pour la viabilité hivernale, donc les précédents marchés arrivant prochainement à échéance. Il nous est demandé d'autoriser le lancement d'une consultation sous forme d'appel d'offres ouvert relative aux fournitures pour la viabilité hivernale en deux lots séparés. Merci. Des questions, des abstentions, des oppositions, adoptées. Toujours, Gilles. Le ministère chargé des Transports a ouvert un quatrième appel à projet relatif au transport collectif
en sites propres et pôles d'échanges multimodaux, dont l'enveloppe globale allouée est de 450 millions d'euros. Les projets retenus bénéficieront d'une subvention variable en fonction des caractéristiques de chaque projet, plafonnée à 40 millions d'euros. Dans ce cadre, il vous est demandé d'autoriser le président à déposer le dossier de candidature de Limoges Métropole auprès du ministère des Transports et à signer cette candidature dans le cadre du projet de modernisation du réseau de transport en commun de Limoges Métropole autour de la création de deux lignes aménagées en bus à haut niveau de service et d'un dispositif de pôle d'échange multimodaux. Ok, merci. Oui, monsieur Lallemand. Oui, juste une petite information pour vous dire que le phasage de la réorganisation du réseau fera l'objet d'une prochaine présentation. Merci. D'autres questions ? Je voulais savoir où en était le projet de pôle multimodal des Cassos. Parce que comme je m'en suis ouvert, j'ai cru apprendre qu'au Cassos, il y allait y avoir potentiellement un réseau de chaleur qui allait passer. Compte tenu qu'il y a des égouts, des hautes tensions, des basses tensions, du gaz, de l'eau, et qu'il y aura de la chaleur, il serait bien que nous ayons le projet complet des Cassos et d'aménagement des Cassos qui puisse enfin sortir après deux voire trois mandatures où c'est resté dans les starting blocks. Donc, dans le pôle multimodal. Le projet des Cassos aujourd'hui en est pour l'instant à l'installation du Crédit Agricole sur la plateforme des Cassos. Je te rappelle, Émile, que tu as travaillé sur ce projet-là des Cassos, qu'aujourd'hui il va dépendre de la politique touristique, en particulier sur la possibilité du travail autour de la céramique de la porcelaine, si c'est validé ou pas validé. Donc je crois que pour l'instant, c'est un travail qui doit être lancé sur la fornocopile avec l'appui du président. Merci. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Adopté. Cofinancement de l'étude de circulation RN 520, quai de Vienne. Monsieur Lallemand. Oui, la ville de Limoges souhaite un réaménagement de la RN 520 dans la partie des quais de Vienne entre les carrefours des Cassos et du Cloumereau. Une étude de trafic origine-destination portée par la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest, la DIRCO, est proposée afin de permettre d'identifier les flux sur les quais et d'évaluer la part du poids lourd et d'identifier et de quantifier les reports potentiels de trafic sur son réseau de voirie et surtout d'intégrer ces données dans l'étude en cours sur ces échangeurs pour le bon dimensionnement des carrefours. Le coût de cette étude est estimé à 50 000 euros TTC. La clé de répartition du financement est la suivante, 25% pour Limoges Métropole, 25% pour la ville de Limoges et 50% pour la DIRCO. Il vous est demandé d'approuver le financement ainsi que le taux de participation de Limoges Métropole à cette étude et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Merci Jean-Marie. Des questions ? Oui, Gaston. Vas-y, vas-y. Oui, une remarque, plusieurs remarques sur cette délibération. Effectivement, je suis content je voterai pour qu'on finance certes une étude, d'autant plus qu'on travaille sur les achargeurs 35 et 36, mais c'est quand même des camions qu'on souhaite enlever de Limoges. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup sur cet axe. J'aurais aimé qu'on ait la même volonté sur d'autres communes, dont la mienne, où la situation, je vous ai écrit une lettre, Monsieur le Président, continue de s'aggraver. On vient de voter la délibération 16-3, donc de la modification du plan d'urbanisme de Panazol qui concernait l'aménagement Est. Je ne voudrais pas que notre projet de mobilité se résume à se renvoyer les camions les uns chez les autres, parce que c'est un petit peu l'impression que j'ai en ce moment et que les problèmes persistent, pas qu'à Limoges, et qu'on nous avait dit qu'on se mettrait tous autour d'une table et qu'on travaillerait dessus. Pour l'instant, je ne vois rien venir, je vois juste des choses qui stagnent et qui s'aggravent. Donc, je vous l'ai écrit par lettre, parce qu'il y a des mesures à prendre. Si on ne veut pas étudier la mobilité, il y a quand même des mesures de sécurité à prendre pour nos concitoyens à certains endroits. Et on parlait tout à l'heure du président du conseil départemental. Il a au moins fait l'effort, et un des rares, à essayer de travailler les liaisons entre la ruralité et l'urbain et les grands axes. Et voilà, quel est notre projet là-dessus ? Voilà ce que je voulais faire sur cette remarque, sur cette délibération. Non, mais je vais en profiter pour répondre à Gaston.
De toute façon, les poids lourds viennent tous sur Limoges. Et dans le programme dont tu parles, je n'ai jamais été associé et on ne m'a jamais demandé mon avis. Voilà, je le regrette, Gaston. En ce qui concerne la 520, oui, mais c'est vrai, Gaston. Donc, je suis d'accord pour qu'on en parle tous ensemble. En ce qui concerne la 520, en tout cas, son passage sur les bords de Vienne, je souhaite et nous souhaitons des passages apaisés, et c'est important aussi pour le tourisme, dont je rappelle à M. Bégou que ce n'est pas la présence ou l'absence d'un bâtiment touristique qui fait que l'échangeur des cassots voit le jour ou pas le jour. Qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas lié à ça. C'est lié à la non-décision et au non-travail d'implanter un échangeur. Nous avons des plans qui permettent d'implanter un échangeur. Ces plans n'ont pas été travaillés. On peut le dire. Aujourd'hui, je pose la question parce que nous allons nous retrouver dans une situation qui sera une situation catastrophique au dernier moment. De la même manière, l'étude faite pour la 520 est une étude faite pour savoir de quelle manière nous aurons à traiter collectivement, puisque là, c'est collectif, nous aurons à traiter cet espace de circulation. Et pour que nous ayons une vision qui soit une vision pertinente, du plus efficace et du moins cher pour la collectivité. C'est le discours que nous avons eu, c'est la discussion que nous avons eue avec le directeur général des services, en lui disant que je n'avais pas moins d'idées préconçues sur ce qu'il fallait faire, mais qu'il fallait qu'on y réfléchisse. Quant aux échangeurs, 35 et 36, je suis partie prenante pour qu'on en discute avec la ville de Limoges et avec Fétia et avec d'autres. Je suis d'accord. Y compris, d'ailleurs, pour qu'on finisse la déviation d'Aix vers l'Avent, de telle manière que nous n'ayons pas, pour le sud et l'ouest, que nous n'ayons pas l'obligation de passer par Limoges systématiquement, ou par Fétia, ou par... voilà. En fait, tiens, ça va être difficile. Des oppositions, des abstentions, adopté, concession de service public des transports urbains, signature d'un avenant numéro 2, afin de prendre en compte les différentes évolutions du service de transport en commun ayant des impacts techniques, commerciaux et financiers. Il vous est demandé de donner votre accord à la conclusion d'un avenant numéro 2 à la convention de concession de service public des transports urbains. Y a-t-il des oppositions ? Les abstentions, adoptées. Accord cadre relatif à l'acquisition de navettes électriques de centre-ville. Lancement de procédure en appel d'offres ouvert. Jean-Marie. Oui, Limoges Métropole a décidé de reprendre le fonctionnement du service des navettes électriques sur le secteur de l'hyper-centre-ville de Limoges depuis le 2 octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre au minimum. En effet, l'évaluation de l'expérimentation a été profondément perturbée par la crise sanitaire en cours. Alors même qu'en période normale, les chiffres de fréquentation étaient de 153 voyages jour, on constate à ce jour une baisse de fréquentation de l'ordre de 27% du service des navettes depuis la crise sanitaire. Il faut savoir qu'on a également une baisse de 25% de recul de fréquentation sur l'ensemble du réseau transport en commun de notre agglomération. La décision de pérennisation définitive du service interviendra sur la base d'un bilan de la fréquentation d'ici fin d'année 2021, en espérant que les effets de la crise sanitaire se soient estompés d'ici là. Le choix possible de pérenniser ce service sur un temps long nécessite de se poser la question de l'achat des véhicules électriques nécessaires à l'exploitation. Ainsi, sachant que le coût annuel de location des véhicules, incluant 4 véhicules, les bornes de rechargement, la maintenance et l'assistance, est estimé à environ 200 000 euros hors taxes par an, que le coût d'acquisition de 4 véhicules, incluant le système de rechargement et les batteries, à environ 1 million d'euros hors taxes, c'est-à-dire 760 000 euros hors taxes pour 4 véhicules seuls et 240 000 euros hors taxes pour les systèmes de batteries. Enfin, ce projet peut bénéficier d'une aide financière au titre de la dotation de soutien à l'investissement local d'un montant de 200 000 euros. Par ailleurs, dans le cadre du programme Moebius, une aide complémentaire d'un montant maximum de 300 000 euros, 75 000 euros par véhicule, délivré sous forme de certificat d'économie d'énergie, peut également être obtenue. Ainsi, l'acquisition des 4 navettes électriques pourrait être subventionnée à hauteur de 500 000 euros.
Les conditions d'obtention de ces subventions sont liées à un engagement de l'opération, soit une notification du marché avant la fin de l'année 2021. Il apparaît donc opportun, quelle que soit la décision de pérennisation du service, d'autoriser le lancement d'une consultation en appel d'offres ouvert pour l'acquisition de 4 navettes électriques de centre-ville avec variante obligatoire concernant les batteries et chargeurs, c'est-à-dire achat ou location. Merci Jean-Marie. Y a-t-il des questions ? Monsieur Rigoux. Monsieur le Président, chers collègues, je souhaitais pour ma part intervenir sur ce sujet qui intervient après celui du BHNS. J'ose penser, Monsieur le Président, mais je suis peut-être naïf, que ce projet ne signifie pas l'abandon pur et simple d'un projet qui a été travaillé de longues années sous l'ancienne mandature, avec une majorité différente. Autant le projet du BHNS, aussi ambitieux soit-il, a du sens à l'échelle intercommunautaire, et j'insiste sur ce point car il parle bien à l'ensemble de nos 210 000 habitants, autant le projet de navette électrique, aussi vertueux soit-il, ne me semble pas aller dans la même direction. Le BHNS propose non seulement de revoir le mode de transport, mais remplit un grand nombre d'objectifs, des objectifs de mobilité, environnementaux, des objectifs de cohésion territoriale. C'est ce qui est inscrit dans la délibération que nous avons prise il y a peu. Ce projet parle aux populations périphériques de la ville-centre, qui concentrent en son sein de nombreux travailleurs qui participent à l'attractivité de la ville de Limoges, mais il parle également aux habitants de Limoges, aux étudiants qui se déplacent et qui ont besoin de mobilité avec une université éclatée aux quatre coins de la ville. Monsieur le maire de Limoges nous a dit que le projet du BHNS, dans une réunion précédente, sont déficitaires. Cela veut donc dire qu'un certain nombre de villes se sont trompées. Aix-en-Provence, Amiens, Douai, Annemasse, Lyon, Marseille. Je me limiterai à ces villes, il y en a bien d'autres encore. Monsieur le Président, vous disiez au sujet de ce projet que nous avions des années de retard. Souhaitons-nous prolonger un peu plus ce retard et de fait que nous restions à nouveau à la traîne. Pour me déplacer souvent dans le pays de Dante, cher à mon cœur, j'ai vu une politique ambitieuse qui donne aujourd'hui des résultats plus que positifs. Des cœurs de ville protégés, avec la place laissée aux piétons. Des villes qui se développent avec une attractivité commerciale forte. Une circulation réglementée aux seuls riverains avec des ZTL, des zones à trafic limité, interdisant l'accès aux autres véhicules, si ce n'est ceux des transports urbains. Quand on se déplace à Florence, Sienne ou Bologne, c'est le piéton qui est roi pour le bien de l'environnement, de la préservation des bâtiments et des commerces. La préservation également de la voirie, avec des coûts de réfection moindres, permettant ainsi d'autres investissements. On voit bien dans nos budgets la part de ce poste consommateur en crédit. Je ne dis pas que ces navettes électriques sont inutiles. Je pense juste que c'est de la responsabilité de la ville-centre d'en assumer le coût. J'ai bien vu à la fin de la délibération une phrase jetée un peu rapidement, nous laissant à penser que nous, communes périphériques, aurions un intérêt. Je cite juste la phrase suivante, assez sibyllique en l'état, il est à noter que les services des navettes électriques pourraient être étendus à d'autres communes demandeuses pour des besoins ou événements particuliers. Excusez-moi, mais nous ne répondons pas au désenclavement de l'entrée de ville qui est compliqué, que nous habitions Vérac, Saint-Jean, le palais sur Vienne ou Fétia. Pour ma part, si je dois me rendre à l'université les matins, je mets 5 minutes pour arriver à l'entrée de Limoges et 15 minutes pour faire le reste du parcours. Avouez qu'il y a mieux si on souhaite réellement traiter le problème du transport. Enfin, j'ai bien compris que nous étions dans une période d'incertitude au niveau des finances de l'EPCI. Et c'est le cas de nos communes également, mais soyons ambitieux et avançons sur un projet déjà bien travaillé sous l'ancienne mandature. Il faudra faire des choix sur nos ambitions qui doivent répondre avant tout aux vrais besoins de nos habitants. Ce projet de navette électrique porté en l'état enverrait, il me semble, un signal négatif aux 80 000 habitants des communes périphériques qui ne comprennent pas toujours le rôle de l'EPCI. Enfin, la cohésion que vous appelez de votre cœur en proposant de travailler en co-construction commence par une réflexion tous ensemble. Pour réfléchir aux projets déjà commencés qui sont ou non porteurs d'avenir pour nos territoires. C'est bien des objectifs du projet territoire, cette co-construction. Je l'attends pour ma part et vous le savez. Merci. Autre demande de parole ? Madame Rosette ?
simplement intervenir par rapport à la pertinence de ces navettes au niveau touristique. Je trouverais dommage qu'on n'aille pas dans cet axe-là si dans 2 ans, par exemple, ou 3 ans, ou même 1 an, on nous dit les navettes électriques, c'est extrêmement important pour le développement touristique et qu'on ait loupé le coche déjà du subventionnement. Ensuite, lorsque vous avez des hôtels, des chambres d'hôtes, des gîtes dans les communes périphériques de la ville-centre qui viennent en ville, qui viennent consommer et qui ont des difficultés sur la topographie de notre ville, je pense que ces navettes sont extrêmement pertinentes. Et pour information, c'est aussi un bon support de communication. Nombre de socioprofessionnels membres de l'OTI nous demandent de pouvoir sticker sur ces navettes pour avoir de la visibilité. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer plutôt et de vous dire, c'est que donnant une chance à ce mode de transport, ça ne me paraît absolument pas du tout opposable avec le BHNS. C'est vraiment un autre volet. Je pense qu'on ne parle pas du tout de la même chose sur ce sujet-là. C'est un projet à très court terme, en l'occurrence, les navettes. Mais c'est un réel outil touristique dont on ne peut absolument pas se passer. Par contre, je pense qu'il faut savoir adapter le circuit des navettes, pouvoir changer les itinéraires et les horaires l'été pour qu'elles puissent aller, je pense par exemple, faire un tour à Solignac, Le Vigin au parc du Rénou, un camping lorsqu'on l'aura implanté sur la commune, on en parlait avec notre collègue tout à l'heure, Vigin, Le Fétia. Je pense que oui, il faut travailler le sujet. Peut-être qu'aujourd'hui, le parcours n'est pas forcément idéal et qu'elles ne sont pas forcément visibles. Mais donnons une chance à ces navettes, on serait vraiment les derniers à ne pas se doter de cet outil-là qui est extrêmement important. Je pense que c'est vraiment un facteur de développement du tourisme dans notre communauté urbaine. D'autres remarques ? J'ai du mal pour ma part à voir la complémentarité. Je ne dis pas que les navettes sont, encore une fois, sont inutiles. Je pense qu'effectivement, je ne le vois pas comme une compétence intercommunautaire. Je ne vois pas l'intérêt pour les 210 000 habitants, les 80 000 habitants qui habitent en périphérie, qui vont arriver sur l'entrée de Limoges. On va mettre en place un BHNS qui va avoir un coût important. On va mettre en place des navettes qui vont elles aussi avoir un coût important, même s'il est moindre. J'ai du mal à voir la complémentarité entre ces navettes électriques et le BHNS. Le BHNS remplira les mêmes fonctions que celles que vous... Non, j'ai bien compris que ce n'était pas le même. Oui. Oui, moi je m'interroge. Alors c'est intéressant, ces navettes portent vraiment bien leur nom parce qu'elles n'arrêtent pas d'aller et venir entre les commissions et le conseil communautaire. Moi je m'interroge sur le circuit et sur le message adressé à nos concitoyens en termes de santé publique. Comme l'indique le site de la ville, les itinéraires ont été conçus afin de relier les principaux points du centre-ville de Limoges, parking, Jourdan, Churchill, les places principales à l'hypercentre. Or, à partir de l'hôtel de ville, il faut environ 12 minutes pour rejoindre à pied la place Jourdan, la place Denis Dussou ou la place de la République. Et donc beaucoup moins pour aller de ces différents points jusqu'au commerce des rues piétonnes de l'hypercentre. Et du coup, il me semble que le message adressé à la population est donc « épargnez-vous quelques minutes de marche et passez directement de votre voiture à la navette ». Et ce, alors que Limoges a mis en place, si je ne me trompe, une signalétique piétonne pour inciter au déplacement piéton et promouvoir l'activité physique dans les trajets du quotidien. Donc, il me semble que non seulement le circuit actuel, et j'entends bien, Madame Rosette, que vous dites qu'on pourrait le faire évoluer, hein, mais à l'heure actuelle, ne contribue pas à réduire le nombre de voitures, de véhicules en centre-ville, puisque les gens viennent quand même très, très près, loin dans le centre, mais aussi, c'est une incitation à ne pas marcher, un signal qu'on envoie à nos concitoyens, ce qui me paraît en contradiction complète avec les objectifs d'une ville santé citoyenne qu'est Limoges. Merci. Bien, Madame Leblanc, d'autres remarques ? Oui. Oui. Monsieur Virgulot. Oui. Attends, il y a une dame qui demande la parole, Monsieur Virgulot. Sur les navettes. Attendez, Monsieur Virgulot, attendez. Qui est-ce qui demande la parole ? Madame Taillot. Madame Taillot, allez-y, Madame Taillot, expliquez-nous le bienfait des navettes. Oui, bonjour à tous. Alors, en fait, je pensais, on a
cette collectivité donc a voté dernièrement en fait le PCAET en fait, et je considère qu'aujourd'hui effectivement au niveau de la Commission européenne où on parle du Green Deal, au niveau de national effectivement on est en train de partir sur effectivement des plans pour contenir le réchauffement climatique, et la région a voté en fait une feuille de route Nerutera. Donc, les navettes, à mon sens, s'inscrivent vraiment dans cette logique, effectivement, de contenir le réchauffement climatique et d'apporter, en fait, des mobilités alternatives. Donc, je ne comprends pas pourquoi, effectivement, c'est une expérimentation à soutenir et c'est important pour un territoire qui a longtemps, qui a ignoré, en fait, effectivement, ces déplacements-là alternatifs. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne chose d'essayer d'expérimenter et donc de voter dans ce sens-là, quoi. Attendez, je voudrais juste, avant de... Je reprendrai la parole pour conclure et je passerai au vote. Je voudrais juste qu'on ne se trompe pas de sujet. Nous ne sommes pas en train d'acheter des navettes, là. Nous sommes en train de voter une délibération pour s'octroyer la possibilité d'aller chercher 200 000 euros de DSIL et potentiellement de mobiliser, Marie-Caroline, vous m'arrêtez si je me trompe, 300 000 euros de subvention d'un plan d'État qui s'appelle Moebius. Donc, vous êtes en train de faire un débat qui aura lieu lorsqu'on décidera d'acheter les navettes, ou pas, c'est-à-dire dans plusieurs mois. Mais, s'il vous plaît, Madame Ildirim me l'aurait dit en fac de droit, vous êtes hors sujet, là. Donc, vous ne répondez pas à la question. Voilà. La question, elle est simple, c'est est-ce que vous nous autorisez ou pas, et on va passer au vote tout à l'heure, je vais laisser la parole se faire, mais... Est-ce que vous nous autorisez ou pas à potentiellement aller, tout comme la délibération juste avant, rapportée par Gilles Bégou, la 20-1, candidature de Limoges Métropole à l'appel à projet relatif au transport collectif en site propre et en pôle d'échange multimodal, où pour le coup, on fait acte de candidature sur un appel à projet visant à mobiliser 450 millions d'euros disponibles à l'échelle de tout l'Hexagone sur des projets qui pourraient être les nôtres. Donc c'est exactement la même démarche. Hein, que les choses soient bien claires. Et pour te répondre, Jean-Yves, j'entends ton argumentaire de fond. Mais sur la forme, tu opposes deux projets qui sont aux antipodes et qui ne sont absolument pas parallèles. Le BHNS, on parle d'un sujet à plusieurs dizaines, pour ne pas dire plusieurs centaines de millions d'euros. Et je parle aux contribuables qui nous écoutent. On est en train d'opposer un projet qui, si une fois l'argent public mobilisé, on aurait 4 navettes pour 500 000 euros. Et on nous oppose en parallèle un BHNS à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, pardonnez-moi, mais on n'est pas sur les mêmes échelles. Mais là, on est déjà hors sujet aussi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous autorisez Limoges Métropole à potentiellement obtenir de l'argent public ? Pour faire court, la DSIL, il est fort probable que nous l'ayons, et le plan d'État Moebius, 300 000, c'est ce que l'on peut espérer au maximum, et sans vouloir minimiser les capacités de Marie-Caroline Turlotte, je ne suis pas sûr que l'on puisse aller à 300 000. Voilà. Mais en réalité, peut-être qu'on aurait 400 000 sur 1 million, ce qui nous ferait des navettes à 600 000. Donc n'opposez pas deux projets qui sont aux antipodes en termes de financement public, hein, et surtout, ne vous trompez pas de sujet sur la délib. Le sujet de la délib aujourd'hui, c'est est-ce que vous autorisez ou pas Limoges Métropole à aller chercher de l'argent public. Si vous me dites « on vote contre », eh bien, vous vous privez potentiellement de 500 000 euros d'argent public. C'est tout. Voilà. Ce qui serait, pour moi, totalement absurde et ce qui deviendrait une posture, mes amis. Et vous savez ce qu'on pense des postures. Quand un discours sur la forme n'est que posture, ça signifie que le fond est imposture. Voilà. Gilles. Je crois qu'il y a eu une modification quand même de la délibération qui, moi, m'a rassuré dans le sens où, et tu as pris la parole avant que j'intervienne, où finalement, on nous dit bien que c'est une recherche d'argent. Mais j'entends ce qui a été écrit et j'entends aussi tes engagements. C'est-à-dire qu'on doit travailler ensemble un projet, qu'on va travailler le projet de territoire. Dans ce projet de territoire, la mobilité fera partie des discussions. Le BHNS, évidemment, merci pour le soutien, le BHNS, et dire qu'il y a eu un gros travail de fait pendant 6 ans, parce que je crois qu'on peut dire quand même qu'il y a eu du travail pendant 6 ans. Et je crois que quand on va étudier la mobilité tous ensemble, il y a en effet
la mobilité qui rayonne sur l'ensemble de la communauté urbaine, donc le BHNS, et après il y a des mobilités de proximité comme les navettes. Et je crois que si, et c'est pas si, vu comment la dénumération est écrite, il est bien dit qu'on n'achète pas de navettes. On dit qu'on va attendre de la réflexion justement sur l'intérêt de la navette et l'analyse de l'utilisation des navettes qui, pour l'instant, n'est pas franchement un succès. On voit bien qu'il n'y a pas grand monde, mais on est dans un cas de Covid, donc c'est un peu compliqué d'analyser. Donc je crois qu'à partir du moment où on va travailler, qu'il y a cet engagement de travailler ensemble sur la mobilité, sur les différents projets de mobilité, à un moment donné, il y aura un problème financier qui dira on peut ou on ne peut pas. Alors pour dire quand même sur les nouvelles informations, quand même, Président, le BHNS, aujourd'hui, le travail des services montre qu'on est à 126 millions sur les deux lignes. Voilà. On n'est pas à 300 millions, on est à 250 millions, on est à 126 millions. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais on est à 126 millions sur les deux lignes. Et c'est vrai que, voilà, je crois qu'il faut avoir une vision globale, ce que défend M. Lamberti. Donc c'est vrai que cette vision globale, je crois qu'on l'a. Elle a été travaillée pendant 6 ans. Et donc je crois qu'aujourd'hui, je prends acte que cette délibération, c'est pour aller chercher des sous. Et on ne peut pas, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, refuser d'aller chercher des subventions. Mais j'entends bien qu'il y aura une discussion avant un achat définitif, donc dans le cadre d'un projet. Ludovic. Oui, je prends acte aussi qu'il y a eu des modifications dans la délibération telle qu'elle nous a été proposée. Néanmoins, le fond de l'affaire reste le même, et de mon point de vue, et ce n'est pas une posture, j'ai l'impression qu'on met un peu la charrue avant les bœufs, et qu'on peut écrire que le choix de la pérennité de ces navettes se fera au regard de certaines études qui nous seront fournies en temps et en heure. J'ai bien peur que, Président, si vos services arrivent à obtenir des subventions, on n'ait pas bien le choix, et vous nous disiez, mais vous n'allez pas passer à côté de 500 000 euros de subventions. Donc, vous nous dites qu'aujourd'hui, c'est hors sujet de parler pérennité ou non, achat ou non de ces navettes. J'ai bien peur que ça soit le premier acte de la pérennité. Donc, si des collègues ici s'interrogent sur le bien fondé d'acheter ces navettes ou non, c'est le temps d'avoir ce débat, parce que si les subventions sont obtenues, on sera un peu le pied au mur, et je ne suis pas certain que nous puissions avoir ce même type de débat. Ce n'est pas de la posture. Si on ne passe pas cette délib, il n'y aura pas de subvention. Et si on décide de les acheter quand même, au lieu de coûter 500 000, ils coûteront 1 million. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la question, c'est si la décision de ce conseil communautaire, dont je ne préjuge pas du vote, eh bien, si on n'a pas fait les démarches, pourquoi on la passe maintenant? Parce qu'il faut que tout ceci soit inscrit dans un certain nombre de dispositifs d'État et que ce soit acté avant la fin de l'année. Vous connaissez la façon dont fonctionne l'administration, il y a des étapes à respecter, et donc c'est pour ça qu'on a repassé cette délib, qu'elle a donné lieu à une réécriture, qu'elle a donné lieu à un débat en bureau, où il n'y avait certes pas la presse, donc effectivement, ça limite certaines postures. Mais ça a été débattu en bureau, tous ensemble. Vous y étiez, monsieur le maire du Palais. Donc, on ne va pas passer la nuit sur la délib. Encore deux prises de parole et on la passe au vote. Madame Ildirim. Oui, monsieur le Président, c'est une question peut-être idiote, mais je dis souvent à mes étudiants qu'il n'y a pas de question idiote. Lorsque je lis la délibération, il est mentionné que Limoges Métropole peut bénéficier d'une aide financière au titre de la dotation de soutien à l'investissement local et une aide du programme Moebius de 300 000 euros. Donc ça fait une aide de 500 000 euros. Mais plus loin, il est marqué que les conditions d'obtention de ces subventions sont liées à un engagement de l'opération. Donc ça veut dire qu'en fait, ces subventions, vous me dites si je me trompe, vous les demandez pour les navettes électriques. C'est-à-dire qu'il y a un projet derrière. Vous allez monter un projet de navette électrique et vous allez réclamer ces subventions. Vous ne les demandez pas pour n'importe quoi. Enfin, rassurez-moi. Elles seront versées
Non, mais j'ai l'impression d'être dans un autre monde, là. Vous savez, vous êtes une éminente professeure d'université, mais je ne suis plus étudiant, je n'ai pas 2 ans, je ne suis pas demeuré. Oui, madame, c'est même l'essence même de cette délibération. Mais je connais votre technique. Vous faites ça pour m'agacer, pour que je sois désagréable. Non. Rassurez-vous, je ne le serai pas. Je vais vous répondre. Chose que ce que j'ai répondu tout à l'heure. Quand un discours sur la forme n'est que posture, ça signifie que le fond, madame, est imposture. Donc, ne vous faites pas plus bête que vous ne l'êtes, parce que vous n'êtes pas bête, du tout. Bien au contraire, vous êtes très habile. Vous cherchez à provoquer, vous cherchez à avoir une explication. Je vous le redis, on va essayer de prendre les choses calmement et tranquillement. Cette délibération vise par la possibilité d'engager un appel d'offres ouvert en mettant en concurrence, comme tous les appels d'offres ouverts, un certain nombre de concessionnaires de navettes. Très honnêtement, je ne connais pas les concessionnaires de navettes parce que les navettes, ce n'est pas ma passion pour rien vous cacher. Néanmoins, on va lancer un appel d'offres ouvert autour des navettes. D'accord ? Le fait d'engager cet appel d'offres ouvert nous donne la possibilité, chère madame, d'aller chercher des fonds publics. Des fonds publics de la DSIL plafonnés à 200 000 euros et des fonds d'un plan national appelé Moebius qui pourraient aller jusqu'à 300 000 euros. Donc je répète pour la 14e fois depuis bientôt 3 semaines qu'il serait potentiellement mobilisable 500 000 euros sur un total d'achat. Si nous décidions de faire l'achat de 4 navettes, total d'achat d'un million, nous serions potentiellement éligibles entre 200 000, parce que la DSIL, on peut la considérer acquise, et 500 000 si on y rajoute les 300 000 de Moebius. Ce qui signifie, c'est niveau CP en termes d'addition, que 1 million moins 500 000 reste à la charge de l'Interco 500 000. Vous aviez très bien compris la question. Donc moi, je vous redis ce que je vous ai dit. Ça veut dire tout simplement qu'en fait, la décision d'acheter des navettes, elle est actée. Mais bien sûr que non. Mais et vous nous dites qu'il y aura du débat. Mais attendez. Donc si vous obtenez ces subventions... Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Pour que, dans votre tirelire, vous avez un cochon. Oui, vous allez nous dire que la gratuité n'existe pas. Vous avez un cochon, mais vous n'avez pas le marteau. Vos parents ont gardé le marteau. On vous a mis 500 000 euros dans le cochon. Mais on ne vous a pas donné le marteau. Oui. Le jour où on décide d'acheter les navettes par un vote du conseil communautaire au mois de septembre ou octobre. Là, on vous donnera le marteau pour casser l'argent, pour casser la tirelire, pour récupérer les 500 000. Oui. Mais si vous ne faites pas la démarche, madame, dans le cochon, il y aura zéro. Oui, mais donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on se laisse la possibilité... Laissez-moi finir. Il n'y aura pas de débat sur les navettes électriques. La possibilité, chère madame, de mobiliser 500 000, c'est-à-dire 50%, 500 000 max. Hein. D'ailleurs, je ne prends pas l'engagement de 500 000 de fonds publics. Hein. Autant je valide les 200 000 de DSIL tout de suite, parce que ça, on a à peu près l'accord des services de l'État. Autant sur les 300 000 de Moebius, ça, c'est les services qui ont trouvé ça. Je ne suis pas sûr, Marie-Caroline, qu'on puisse aller à 300 000 sur ce plan-là. Mais qu'importe, mettons qu'on aille qu'à 200 000. Ça fait 200 plus 200 égale 400. 1 million moins 400 égale 600 000. Si à ce moment-là, on décide d'acheter les navettes, ça nous coûtera 600 000. Par contre, si aujourd'hui, vous nous interdisez la possibilité de lancer ce marché ouvert en appel d'offres, nous ne pouvons pas juridiquement, et vous connaissez ce mot, nous ne pouvons pas postuler à l'obtention putative de cet argent public. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Si certains de mes amis ne m'ont pas compris, dites-le-moi. C'est que j'ai du mal à me faire comprendre. Mais ça me paraît être assez limpide comme raisonnement. Voilà. Mais, Monsieur le Président, oui, madame. Dans la mesure où il y a une interrogation sur la fréquentation de ces navettes... On n'a pas de réponse précise parce qu'on est dans un contexte sanitaire qui brouille éventuellement l'utilité et la fréquentation. Est-ce qu'il ne serait pas raisonable d'attendre le retour au printemps prochain et de voir qu'on constate, d'attendre le retour, madame, d'attendre le retour au printemps prochain, qu'on constate que les navettes ont bien fonctionné pendant le Noël de 2021, parce que j'espère que nos concitoyens vont pouvoir revivre normalement. Attendre et constater que ça fonctionne plutôt pas trop mal et se dire, bon, finalement, ces navettes, elles vont servir au tourisme, elles vont servir aux communes périphériques pour leurs événements festifs, elles vont servir à la mobilité durable en centre-ville, mais faut toujours les acheter, et manque de bol, elles coûtent toujours 1 million d'euros. Et au lieu de les payer 500 000, eh bien, on les paiera 1 million.
Mais c'est vous qui voyez, hein. C'est encore non, une fois. C'est pas moi qui décide, c'est vous qui décidez, monsieur. Ah non. Non, madame, ne pose que des questions. Non, ce n'est pas moi qui décide, c'est vous, collégialement, qui décidez. Moi, aujourd'hui, je vous redis les choses simplement. Cette délib nous permet de lancer un appel d'offres ouvert, lequel lancement de cet appel d'offres ouvert nous déclenche l'accès possible à des subventions publiques. Si on ne fait pas ça, on sera hors délai et nous n'aurons pas d'argent public mobilisé pour ces navettes. C'est tout. C'est uniquement ça. C'est simple, c'est clair, limpide comme de l'eau de roche. Y a-t-il une ultime prise de parole qui ne met pas le feu à l'Assemblée, monsieur le maire? Oui. Parce que je ne recommence pas, monsieur le maire de Limoges. Pardon, Gaston, je ne t'ai pas vu. Vas-y, monsieur le maire. Vas-y, Émile. Oui, c'est très intéressant, parce qu'on oublierait presque à quoi peuvent servir ces navettes. Et je vous remercie d'avoir ce discours. C'est parfait. On cherche le problème du problème du problème pour faire oublier à quoi peuvent servir les navettes. Alors, je n'ai pas entendu ce qu'on m'avait prêté comme propos ou comme intention. Si vous pensez punir le maire de Limoges, il s'en fout. Si vous pensez que les navettes sont achetées pour Limoges, vous avez tort. Si vous pensez qu'il n'y a pas besoin de navettes dans l'utilisation que peut faire la communauté urbaine sur l'ensemble de ses activités, vous avez tort. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je vais revenir d'abord sur le BHNS. J'ai dit, depuis longtemps, que, et pour l'avoir travaillé en même temps que les autres services de la communauté urbaine et sur les services de la ville de Limoges, avec un travail qui a été ingrat, difficile et douloureux, j'ai toujours eu comme attitude, toujours, de faire en sorte qu'on améliore globalement, je dis bien globalement, les transports sur l'ensemble de la communauté urbaine. Et j'avais même demandé à Gilles Bégout, puisqu'il était chargé de ça, de faire en sorte qu'on améliore aussi les transports en centre-ville, en enlevant les bus pollueurs devant le théâtre. Ça n'a pas été fait. Je tiens absolument à ce que le BHNS soit Président, fait... Président, je demanderai la parole parce que ce n'est pas acceptable. ...soit fait au service de la collectivité, pas de Limoges, de l'ensemble. Et je vais même plus loin pour avoir discuté avec des collègues dans le cadre de France Urbaine. Nous devons le travailler avec la campagne, et nous devons le travailler avec les autres villes, y compris les transports par bus, ne serait-ce que pour éviter de stocker les bus en centre-ville. Nous avons besoin, et nous, j'espère que ça va être fait, de refonder complètement les lignes, ou en tout cas de les modifier, parce qu'il n'est pas normal que moi, je ne puisse pas prendre le bus régulièrement pour aller au travail, pas plus que toi, tu ne puisses le prendre pour aller au travail. Ça, c'est le rôle du transport en commun et de l'organisation générale des transports en commun. J'ai toujours dit, parce que je le pense profondément, que ce n'est pas parce qu'on a pris 20 ans de retard que les circonstances ne vont pas nous permettre de pouvoir, du fait de la pandémie et du fait de l'évolution de la lutte contre le climat, franchir un cap et être plus effectif aujourd'hui. Il faut qu'on soit dans cette dynamique. Les navettes, je les ai penser à un moment donné comme un moyen d'articuler en facilité les interfaces au sein de cette communauté. Nous les avons testées, cela ne vous déplaise, à une époque où il y avait de la population qui voyageait et les navettes avaient leur population qui venait les prendre. Mais je n'ai jamais souhaité que ces navettes soient cantonnées à la ville de Limoges. Je souhaite que nous ayons une vraie réflexion. Or, Gilles, puisque tu évoquais le tourisme aujourd'hui, avec l'AMO qui a été prise, on s'oriente progressivement vers le fait que la cité de la céramique, ce soit Limoges, vers le fait de promouvoir et de multiplier les différents endroits et de les relier, et là, les navettes ont une utilité.
Quand on regarde les touristes que l'on reçoit, et je regarde Benet avec le Rénou, si on a un transport facile pour aller au Rénou, un transport simple, avec quelques personnes, 10, 15 maximum, et des allers-retours, on est là dans la réalité. Donc les navettes, potentiellement, si on les achète, les navettes, c'est pour réfléchir à leur utilité et qu'on expérimente. Et qu'on expérimente des trajets. Quand on m'interroge sur quelque chose que vous allez soutenir, j'espère que vous le voterez, qui est l'organisation du salon de la Limousine. Ils nous disent, est-ce que vous avez prévu des transports pour qu'on puisse avoir et amener nos gens visiter des endroits ? Et par petits groupes. La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est que plutôt que de mettre un bus à gasoil, on a des navettes électriques, on les fait fonctionner. Aujourd'hui, si on était amené à les acheter, elles ne doivent pas être marquées Limoges, au sens de la commune de Limoges. Elles sont et elles doivent être testées et utilisées au sens de l'ensemble des services. Je sais et je peux comprendre que la majorité d'entre vous ne se soit pas posé la question de l'utilité des navettes. Mais partout où je passe, je leur demande comment ils fonctionnent avec les gros réseaux et avec leurs petits réseaux qui servent à interfacer les proximités, interfacer les endroits en périphérie, interfacer ou faire des circuits pour le tourisme, etc. Ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas pensé, nous, que c'est une mauvaise idée ou une bonne idée. Mais si tous les autres les utilisent, pourquoi nous mettrions-nous dans la position de ne pas y réfléchir alors que l'ensemble des AEMO que nous avons aujourd'hui nous amène à nous poser la question ? Et opposer BHNS et Navette me semble une incongruité parce que les deux ont une vocation totalement différente et doivent être utilisés de manière totalement complémentaire et ne peuvent pas se suppléer l'un à l'autre. Et dernier point, en ce qui concerne le BHNS, depuis toujours, je le disais avant, je le dis maintenant, quelle que soit la majorité, j'ai toujours eu la même attitude, parce que c'est une attitude qui, pour moi, est une attitude qui correspond à une vision d'expérimentation. Aujourd'hui, nous avons défini deux grandes lignes. Eh bien, travaillons ces deux grandes lignes. La première des choses qui me semble majeure, c'est les échangeurs. C'est pour ça que j'ai parlé des cassos. Et l'autre chose qui me paraît essentielle, c'est de réellement travailler sur les parkings de début de ligne ou de fin de ligne, de telle manière qu'on ait une vraie dynamique constructive et qu'on fasse circuler les bus sur les trajets qui sont prévus, parce que ça sous-entend la réorganisation du réseau des autres transports en commun. C'est une nécessité. Voilà, président, je vous le dis, c'est 6 ans de travail. C'est 6 ans de travail, plus la discussion avec des dizaines d'autres métropoles, d'autres villes moyennes, plus ou moins grandes, autour de ce qui est l'utilisation du transport. Et je termine. Parce que c'est quand même pas gratuite. Aujourd'hui, tous ceux qui ont beaucoup investi dans des transports en commun très chers et avec des amortissements difficiles sont dans une énorme difficulté pour être à jour dans leur remboursement du fait du Covid et des 2 années de Covid. Donc, si nous pouvons envisager des choses souples, efficaces et cohérentes, eh bien, les gars, ça vaut le coup d'avancer. Voilà ce que je voulais dire, sans polémique et sans problématique. Ce n'est pas celle du maire de Limoges. C'est celle de l'agglo, elles doivent être conceptualisées, bon. Utilisées. Okay. Président, je demande le droit de répondre, oui, parce qu'il y a des choses inadmissibles. Franchement. Vous n'allez pas vous répondre mutuellement. Non, je ne vais pas me répondre, mais enfin, il n'est pas normal que monsieur... C'est quand même pas normal qu'il m'agresse, là. C'est pas possible. Ce que je voudrais, c'est qu'on s'en tienne à la délibre, rien qu'à la délibre...
Vous savez, Gérard disait la loi, toute la loi, rien que la loi. Ouais. Moi, je vous dis la délibre, rien que la délibre. Bon, à ce moment-là, il fallait arrêter la discussion au moment où ça dérivait, parce que je pense que quand on a donné la parole à M. Lamberti, on savait très bien que ça risquait de dériver. Je suis désolé, il a attaqué le travail qu'on a fait pendant 6 ans. Il a dit qu'on n'avait rien fait. Enfin, je suis désolé, quand il m'attaque, je n'ai rien fait par rapport au véhicule du centre-ville. Il sait très bien, il a voté que c'est la remise à plat des transports en commun sur la totalité de l'immeuble. 1200 bus dans lesquels on ne m'a proposé aucune... Mais bien sûr que si. Ce qui est fantastique, c'est que M. Lamberti n'est jamais au courant de tout. C'est bon. Donc on a voté d'ailleurs. Hein. C'est bon. On va passer au vote. La c'est inadmissible. S'il vous plaît. Non, Monsieur le Président. Gaston, pardon, t'avais demandé, excuse-moi. C'est la dernière. Je ne vais pas refaire le débat. Non, s'il te plaît. Non, mais on est là pour discuter aussi. Si on n'a pas de moyens de s'exprimer, tu parlais d'imposture tout à l'heure. Je trouve que c'est grave. Chacun a notre idée. Vous avez exposé votre idée. Chacun a le droit d'exposer ses idées sans être un imposteur. Ou alors, on n'est plus en démocratie. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si les navettes sont utiles ou pas. En tout cas, on ne l'a pas prouvé encore. Il y avait peut-être d'autres choses qui pouvaient demander des financements et faire l'objet de recherches de financement qui répondrait beaucoup plus à nos besoins de population. Et il a évoqué, Jean-Yves, tout à l'heure, notamment, on manque cruellement de navettes, c'est le cas de le dire, en tout cas, de fréquences entre les villes satellites et Limoges, pour que les jeunes aient en faculté. On nous le demande, c'est la principale revendication qui est donnée. Donc on pouvait aussi rechercher peut-être des financements dans ce domaine, qui était peut-être plus prioritaire que les navettes. Après, j'arrête là, simplement, Monsieur le Président, vous nous dites que... on votera après, mais alors, moi, je vois dans les délibes, si je vote pour, j'autorise le président à signer l'accord cadre précité avec l'attributaire retenu pour la commission d'appel d'offres. Ça veut dire que on donne quitus au président, vous pouvez acheter les 4 navettes et on n'a pas besoin de revenir devant le conseil avec la deuxième partie de la délibération. Voilà. Gaston, je te dis juste que cette délibération doit nous permettre, mais vous savez, c'est fatigant, parce que ça fait 25 fois que je le répète, donc au bout d'un moment, ou vous ne comprenez pas, ou vous ne voulez pas comprendre, ce qui est, à mon avis, plutôt la deuxième option. Cette délib, elle a vocation à nous permettre d'aller postuler à la recherche d'argent public à travers deux dispositifs, la DSIL et le plan national Moebius. Derrière, cette recherche d'argent public est conditionnée au fait qu'on lance un appel d'offres. Cet appel d'offres, il va trouver un vainqueur et des perdants, probablement. Il y aura sans doute plusieurs personnes qui vont postuler à cet appel d'offres. À partir de ce moment-là, avant de notifier l'appel d'offres, on voit si on pérennise ou pas les navettes. Si on décide de les pérenniser, on a potentiellement gagné au maximum 500 000 sur 1 million d'euros ou on a gagné 300 000 ou 400 000 sur 1 million d'euros. Mais si nous ne votons pas cette délibération aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de postuler à la recherche d'argent public à travers les deux dispositifs concernés. Voilà la réalité du moment. Et cette réalité, elle est avérée, elle est factuelle. Donc, je pense qu'ici, tout le monde a compris l'intitulé de la délib, tout le monde a compris qu'elle était à la fois le fond et la forme. Maintenant, si vous décidez de voter contre, ça signifie que vous vous mettez dans la position que Limoges Métropole ne puisse pas postuler à la recherche d'argent public. Ben, je vous le dis, par les temps qui courent, je trouverais ça dommage. Mais encore une fois, nous sommes en démocratie et vous avez le droit de vous opposer. Voilà. Ce n'est pas du tout un sujet. Maintenant, on a passé presque plus de temps... Oui, Pascal, pardon. Et c'est la dernière. Oui. Monsieur le Président, cher Guillaume, cette délibe, décidément, aura fait beaucoup d'encre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait tous ensemble. Je me suis engagé auprès de toi, auprès de vous tous, pour travailler à cette co-gestion dont on a parlé beaucoup. Ce que tu fais comme démonstration financière, c'est une évidence absolue. Je pense. Mon ami Gulsen l'a évidemment compris, je la connais, elle est très intelligente, elle n'a pas besoin de nous pour comprendre ça. Aujourd'hui, les navettes coûtent 400 000 euros en fonctionnement, 200 000 euros de location. Il est bien évident que si un jour on décide de les acheter, ce que tu proposes est une évidence absolue, mais je crois que là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Alors je me dis, mais pourquoi, depuis des semaines, des heures, ça amène tout ce bazar, pardon. Et ça me fait réfléchir, mais pas qu'aujourd'hui, ça me fait réfléchir depuis des jours. Je me dis, où c'est qu'on s'est planté? Parce que là, on s'est planté, puisque jusqu'à maintenant, tout se passe bien. On a tout voté à unanimité ce soir, je ne sais pas, il y a 2-3 questions, même le budget, tout s'est pas bien passé. Bon. Mais je crois que, les amis, et je prends ma part, on a tous notre part de responsabilité, ça vient du fait que je pense qu'il vaut mieux travailler en amont qu'en aval.
L'utilité de ces navettes, je pense qu'ici, tout le monde peut y réfléchir. On aurait pu y trouver du sens. Et en effet, il y en aura sûrement. Il y aurait sûrement possibilité. Ça ne va pas tuer le budget de Limoges Métropole. Hein. Tu l'as ramené en milliers d'euros. Et tu avais raison. Tout devra être regardé à l'eau, puisque c'est tous les groupements humains de plus de 11 salariés qui payent. Donc, chaque fois qu'on dépensera, il faudra pouvoir expliquer, y compris à vous, mesdames et messieurs les élus, que vos communes payent. Mais cette méfiance, elle ne vient pas de n'importe où. Elle vient du fait que la première délibération allait arriver, on était tous les deux, Guillaume. On faisait la conférence de presse, toi-même, tu as dit tout de suite, je la retire. On ne l'avait pas travaillée en amont, elle est arrivée là, à la veille de la création d'un projet de territoire. Cette délibération, elle ne venait de nulle part, et elle suscitait le doute. D'ailleurs, je ne vais pas te flatter devant tout le monde, mais tu as senti ça, tu l'as enlevé tout de suite. Puis, je n'étais pas là, pas parce que je ne viens pas aux commissions, mais parce qu'à Verneuil, on aime bien que les élus viennent à Limoges Métropole. Ça nous permet de mettre Limoges Métropole, y compris au centre des politiques municipales. À la commission, elle revient, provoquant une gêne de plein de gens ici, de tous les bords politiques. Elle revient sans plus d'explications, comme elle était partie. Je crois, je prends ma part de responsabilité, Limoges Métropole, c'est nous tous. Donc j'assume aussi. Hein. Je crois que c'était une deuxième erreur. Si on ajoute à ça une suspicion, parce qu'on sent la suspicion, parce que c'est bien évident que si tu dis on va chercher l'argent public, parce que si on ne va pas le chercher tout de suite, si on décidait de la prendre à la fin de l'année, on va perdre 500 000 euros. Enfin, il faudrait être idiot pour pas comprendre ça. Alors pourquoi cette suspicion? Il suffit d'une phrase ou deux, et je ne fais la leçon à personne, je dis autant de conneries que les autres. Il suffit d'une phrase ou deux un peu douteuses, du genre « quand vous aurez repris la patinoire, par exemple, ou on va participer à la BFM dans le POPU. » Et là, tout de suite, le doute s'instille. Tout le monde se dit « mais on va partir sur un projet de territoire tous ensemble, ou est-ce que le projet de territoire, il est déjà en partie écrit ?» Je sais que ce n'est pas ton intention, je le sais. Mais je veux dire, on est bien obligé de regarder ce qui se passe ce soir. Pourquoi ce doute sur une règle de droit qui est d'une intelligence de base, évidemment, que si on décide d'acheter les navettes un jour, parce qu'elles peuvent avoir du sens pour nous tous, je le crois. Mais il aurait mieux valu qu'on réfléchisse à ce sens en amont, parce que maintenant, on est un peu mal, chacun se campe sur ses positions, chacun joue son rôle, et on se met en tension pour des choses qui ne me semblent pas valoir le coup. Ce débat-là, il aurait été fait en amont. On aurait peut-être pu trouver une utilité à ces navettes, c'est ce que je voulais dire ce soir. Voilà. Merci Pascal de tes mots. Je peux te dire une chose, c'est que j'ai fait, en ce qui me concerne, tout mon possible pour faire en sorte que ça se passe bien et qu'on évite ce genre de friction. J'ai fait en sorte que cette délib soit réécrite. Je l'ai moi-même mis dans la discussion au bureau l'autre jour. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très, très direct. Hein. La cogestion ne veut pas dire unanimité sur toutes les délibes. Il y a plein d'endroits où la cogestion se pratique et où il n'y a pas d'unanimité sur les délibes. Rassurez-vous, je ne fais pas le challenge de partir de chaque conseil communautaire en me disant « formidable, ils ont voté 100% de mes délibes ». Non, très honnêtement, je ne suis pas du tout dans ce jeu-là. Il y a des équilibres très fragiles dans cet hémicycle, très, 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 très fragiles. Il y a des très, très, très fortes personnalités. Et puis, il y a des clivages historiques. Et puis, il y a des élections bientôt. Et donc, je comprends que certains responsables politiques ne peuvent pas arriver devant leur hiérarque en disant « Tu ne vas pas être content après nous, on a voté encore 100% des délibes de Guérin ». Donc, je comprends tout ça. Je comprends tout ça. Ça fait partie du jeu. Je vous dis juste qu'elle est remise à l'ordre du jour. Peut-être qu'elle peut être perçue remise à l'ordre du jour de manière maladroite. J'ai tout fait pour que ce ne soit pas le cas. Nous l'avons rédigée. Je remercie les services de Marie-Caroline pour cette réécriture. Nous l'avons débattue en bureau et ça a donné lieu, Pascal, tu le sais, à beaucoup moins de polémiques que ce soir. Mais il n'y a pas de presse en bureau, donc c'est un peu différent. C'est pour ça que je vous parle de temps en temps de posture. Mais encore une fois, je ne vous en veux pas. Ça fait partie du jeu. Voilà. Faut se plier à ce jeu-là. Vous savez, je suis très serein. Et puis, vous savez, ça fait 6 ans que je fréquente un type qui s'appelle Rousset, donc ça vous rend d'autant plus serein sur ce genre de débat. Hein, donc, il n'y a pas de sujet pour moi. La seule problématique qui est concrète, qui est de calendrier, c'est que je la repasse, et je comprends que ça puisse choquer certains qu'on la repasse aussi vite, sans débat en amont, etc. Je la repasse pour une question de calendrier. C'est que si on ne la passe pas maintenant, on n'aura pas les délais respectés pour pouvoir postuler à cette recherche d'argent public. Voilà, donc je ne vais pas refaire le film et le match. Je passe donc cette délibération au vote. Y a-t-il des oppositions? Est-ce que vous pouvez compter les oppositions?
Tu ne t'opposes pas, toi hein? Tu ne t'opposes pas, quand même. Y a-t-il des abstentions? Ça, par exemple, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est ce qui met le plus. Ça sert à rien. Ça, les deux stages de tout à l'heure sur le président du conseil départemental, ça ne sert à rien. On est d'accord, ça ne sert à rien. Ça n'amène que de l'attention, que de l'agacement chez les uns chez l'autre, et ça ne sert à rien. Voilà. Ce soir, ce n'est pas le conseil départemental. Vous voulez dire que M. Lamberti et de Mme Fondy, ça ne sert à rien. Voilà. Sauf à énerver tout le monde. Y a-t-il des abstentions? Combien d'abstentions? Une. Combien? Attendez, des abstentions. Levez la main. Une. Deux. Trois. Adopté. Merci beaucoup. Alors, avec la visio. D'accord. Alors, il faut faire l'appel nominal pour les. Pour les élus en visio. Madame Villard, vous êtes pour? Je suis pour. Madame, Monsieur Fatimi? Il n'est pas là. Madame Julien? Julien. Pour. Madame Maury? Pour. Monsieur Roux? Pour. J'ai pas entendu contre. Madame Rivet? Pour. Madame Rivet, sortez de la cuisine. Monsieur Ray. Pour. Madame Mézille. Pour. De toute façon, le premier de Limoges qui vote contre, il passe me voir tout à l'heure. Hein. Madame Zianibé. Madame Zianibé. Pour. Monsieur Bourion. Pour. Madame Jocelyne Laverdure de Loum. Madame Debourg. Madame Debourg. Monsieur Ducourtieu. Il y a des interférences, on n'entend rien. Contre. Monsieur Garestier. Abstention. Madame Riffaut. Pour. Madame Taillot. Pour. Madame L'Enfant. Madame L'Enfant. Contre. Contre. Madame Tabouret. Abstention. Madame Burgot. Pour. Monsieur Bernard. Contre. Gilbert. Contre. Il a dit contre. Oui. Et je vous aimais bien, Gilbert, jusque-là. Monsieur Damé. Monsieur Léoni. 100% pour. Madame Moguin. Pour. Monsieur Jalbi. Bien évidemment pour, monsieur. Monsieur Bruno. Abstention. Monsieur Limousin. Abstention. Monsieur Lafaille. Contre. Monsieur Larcher. Pour. Madame Delpy. Pour. Très bien. Monsieur le Président, désolé, j'avais un problème avec mon micro. Oui, oui, vous votez pour, Madame Debourg, bien sûr. Oui, voilà, évidemment. Vous pouvez me donner les résultats pour monsieur. Monsieur Damé, on n'a pas entendu. Monsieur Damé, je crois que vous avez dit contre, hein. Non, j'ai dit abstention. Abstention. Je vais jouer le résultat. En attendant, Monsieur le Président, si je peux prendre la parole. Allez, pour apaiser l'attention, Monsieur Doucet, vous êtes le spécialiste. Pour apaiser l'attention, j'étais en train de m'imaginer, en écoutant les discussions de tout le monde hors sujet, depuis tout à l'heure, et sur des chiffres qui me tiennent à cœur, parce que c'est ma profession, j'étais en train d'imaginer comment utiliser nos navettes dans nos communes périphériques. Moi, si personne ne l'a utilisé, j'ai plein d'idées à Panazone. C'était juste pour vous dire. Et je compte sur vous pour ne pas faire de ségrégation et que même les gens qui ont voté contre et qui voudront utiliser les navettes dans le futur... Mais bien sûr, Monsieur Doucet, évidemment. Mais je vous fais entière confiance, cher président. On ira même les inaugurer au palais.
dire, monsieur. D'accord. Non, non, ça va, c'est bon. Oui, monsieur Fatimi a voté pour. Et madame Zaiter aussi, parce que je vote pour elle. C'est notable, ça, monsieur Miguel. C'est notable, ça. Oui, c'est notable, mais vous l'avez dit, si je peux prendre la parole, monsieur le président. Bien allez-y, sûr. Allez-y, monsieur Miguel. Bien sûr. Vous avez dit fort justement tout à l'heure que la forme, ça pouvait être revêtir une forme de posture et puis le fond, une forme d'imposture. Il se trouve que souvent, le fond, c'est la forme qui remonte à la surface. Et donc, il faut associer le fond et la forme. Et en ce qui concerne la trahison, je pense qu'elle existe sur le fond et sur la forme. Et donc, la véritable imposture, c'est de ne pas respecter les gens qui ont voté pour vous. Parce que ça permet justement, parce que c'est vous qui en avez parlé, ça permet justement ce souffle démocratique. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, de pouvoir contredire. On est là pour vous contredire, parce que ça permet à l'ensemble des électeurs et des électrices de Limoges de connaître, et de l'agglomération, ça leur permet de connaître les tenants et les aboutissants d'un sujet. Et d'ailleurs, en n'étant pas hors sujet, parce que je me suis bien rendu compte, comme vous l'avez dit, vous l'avez fort justement dit, il y a des hors-sujets en matière juridique, mais je me suis largement rendu compte qu'il y a aussi beaucoup de hors-sujets à ceux qui ont fait des études de médecine. Merci. C'est bon. J'ai envie, mon cher Thierry, de te dire... Bon, vous me donnez les résultats, là ? Ce n'est pas... Que sinon, ça va être des discussions de comptoir. Ce n'est pas les gens qui changent d'avis. Ce qui fait tourner la girouette, ce n'est pas elle qui tourne, c'est le vent. Ce qui est important, c'est le vent qui tourne. Oui, mais c'est bien, en attendant le... C'est Edgar Faure qui disait cela. Mais moi, je préfère Camus qui dit... On n'est pas au conseil municipal, chez Lamberti, chez Miguel, c'est pas terminé. Avant d'avoir les résultats, je vous rends compte de diverses décisions et délibérations prises par le bureau communautaire. J'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions que j'étais amené à prendre et des délibérations prises lors du bureau communautaire du 23 mars 2021 en vertu des dispositions du CGCT dont vous trouverez le détail dans le dossier qui vous a été remis. Et voilà les résultats du vote tant attendu, c'est passionnant. 9 abstentions, 15 contre, 50 pour. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une soirée apaisée, non pas dans la Semaine Sainte, mais une soirée apaisée. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci, au revoir. Bonsoir au revoir. À tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.